3, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, and me and you, and 3 and 2, is anybody out there? Hi, everybody. I'm looking for some people to have a conversation. Is there anybody out there? Hi, it's me again. Do you remember me? That's right. I'm the little Jewish girl from Baltimore that came down here to France to teach you all a lesson. I want to teach you about being nice to people, because people these days are not nice. And I say it's about time to be nice again. Now, I am tired of people. They are always trying to make you feel like you're not being nice, so you'll be even nicer and nicer and nicer, and then they'll call you a bitch anyway. Now, I'm tired of it, and I'm against the whole thing. That's right. I think it's time to get rid of the bad guys and tell them to get the hell out of here. Get the hell out of here, Jesus Christ. I've had enough of it. All these people coming around, and I'm so nice with them, and now I'm so angry I can't stand it anymore. Jesus Christ, can't you understand? Hi, it's me. How are you? Yeah, that's the break-in. That's right. You play a character and you come back. And then you have yourself that's playing too. That's another level. So you've got two levels of playing there because you're the actress. I mean, the actress is you. It's your body, your instrument, your expression, which is you. You're not starting off by incarnating another character. It is you who becomes the character. Okay, so that's the basis. That's the basis of the clown way of getting into the personage, into the character. And I'm here to teach you about it. That's right. Do you understand? Where'd you go? Hello? Where'd you go? It's Saturday night. That's right. We're all going to have fun. Tick-a-tick-tick-tick. That's right, everybody. Come on. Don't you all sleep out there. What are you doing? Come on. I see you all, right? I'm going to invite you. Oh, la, la. I've been bothering you. I know. I'm getting these people online. I want people to hook up. And I want someone to tell me how to get to be able to talk with you on the live. Je sais pas quelle langue parler. Quand je parle en français avec cette voix, ça fait ça. Ça fait ça, da, ba. Moi, je ne comprends pas. Enfin, c'est-à-dire le français, tout d'un coup, ça transforme quelque chose par la forme de la langue. On change notre attitude et ça change notre esprit. Vous comprenez? Tout en étant la même personne à l'intérieur sans être un personnage. Mais on peut devenir notre propre personnage. Imagine de vous inventer tout à nouveau. Vous inventer, réinventer le monde aujourd'hui. Branchez-vous. I'm learning about this stuff. J'apprends. Alors là, j'ai deux personnes. Oui, j'ai deux personnes. C'est génial. Do you speak English or French? English, French, German, Spanish, Ruski, Japanese, mayonnaise, Everyday's mayonnaise. Let me know if you're out there. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes? Alors voilà, je vais mettre la musique et on va danser, okay? Because I think it's time to have a real good time. Are you ready? Oh, c'est dur quand même. C'est dur. Moi, je me dis que... Même
s'il y a qu'une personne qui regarde. Peut-être plus tard, ils regarderont aussi. Et puis, ça fait une personne. Et puis, une personne, c'est quelque chose. Hein. C'est beaucoup, une personne. Une personne avec une autre personne, entièrement une personne de soi-même. Et toi, toi-même, deux personnes ensemble qui sont dans le bien. Bienveillance, dans le sens de bienveillance du terme, où toi-même, tu es bien avec toi-même, donc tu es bien avec l'autre, et l'autre est bien avec toi. That's right. And we come out, we're making a lot of really nice people out there. C'est ça qu'on va commencer à créer des gens sympathiques qui vont venir là et devenir plus gentils qu'ils étaient avant. C'est ça. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? C'est pas facile. Alors, je vais faire comme s'il y avait le monde entier qui regardait, parce qu'un jour, il y aura le monde entier qui va regarder ici. Il faut être un peu grandiose, quand même. Il faut oser. Il faut oser. Oser, mia, la, la, la. Un peu de musique, allez. Et alors, voilà, pour l'ambiance là, de ce soir, vendredi soir, on y va. Ah, le son n'est pas assez fort, mais bon. I hear a voice out there. I hear the sound of the thunder coming down. The thunder, lightning. Is anybody out there? I'll bring you onto the video, maybe. Je vous invite à vous faire savoir que vous êtes là quand même, un peu de pouce quand même, un peu de partage, partagez mon vidéo, parce que je suis un vrai youtubeur, et moi j'aime bien quand je sache que ma public est réactif, voilà. En ce moment, je demande qu'on devienne proactif, et j'y parle pas de la lactose dans votre ventre. Je parle de la vie, qu'on vienne faire quelque chose de proactif, qu'on est en avant et on sait qu'est-ce qu'on veut faire. Et moi, je sais qu'est-ce que je peux proposer. Oui, c'est ça. Alors, je vais être là souvent, hein, pas tout le temps, attention, hein, je suis un professionnel, normalement, on me paye quand même pour mon travail, mais bon, j'aime tellement mon travail, je m'en fous, j'ai besoin de faire ça, sinon, si on joue pas, on est mort. Mais franchement, moi, je n'ai pas envie d'essayer de jouer dans le théâtre avec les conditions qu'il y avait avant. J'ai un petit peu lâché avec tout ce qui m'est arrivé. Hein? Et oui, je suis en train de m'en souvenir comment c'était avec la pneumonie avant le COVID. 7 mois de hôpital avec le confinement. Ils m'ont confiné 3 mois de plus. J'ai 2 pneumonies
Mais probablement c'était un truc de Covid, je sais pas, j'ai failli mourir, mais j'y crois pas, quoi, j'y peux pas le croire, ce phénomène. C'est fou, ce phénomène. J'ai failli mourir. Si j'avais eu une pneumonie après la date de la confinement, on m'aurait laissé mourir toute seule chez moi avec du doliprane. Heureusement, on m'a pris à l'hôpital et on m'a soigné, on a regardé, j'avais plus d'oxygène, je savais même pas. J'aurais été mort. Non, je veux pas mourir. Non, 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 je veux pas. Je veux pas. Je veux rester là, je veux être vivant. Et là, c'était du mort vivant, là. Hein, ça suffit, maintenant, on va se réveiller, hein. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est-ce que vous avez envie de venir ici, dans mon village du clone? Si vous êtes capable d'avoir le courage d'essayer quelque chose de nouveau, d'avoir l'esprit disponible pour apprendre quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de vivre, de penser, de marcher, de respirer, de voir la vie par le rire, par l'amour, par la tendresse, par la diversité, par le perle, par le... toutes les choses qu'on peut chercher dans l'expression. Dans un endroit de liberté d'expression comme la mienne. Une maison de clowns, de femmes. Une femme clown qui a voyagé à l'international, qui se retrouve au foyer. Voilà, foyer. Casé. Alors moi, je vais faire quelque chose avec cette foyer. Cette foyer n'est pas qu'un foyer. C'est un lieu d'accueil. Un lieu d'accueil pour les gens qui ont envie de s'exprimer et qui ont quelque chose à dire et qui veulent trouver un moyen de vivre autrement qu'on a vécu jusqu'à présent. Parce que maintenant, c'est le moment de créer un nouveau monde. Oui, j'y crois. Alors, est-ce que je peux trouver des gens qui peuvent se laver les mains dans la salle de la classe? Et se dire, et me dire si un propos Paris peut les intéresser d'apprendre le clown tout en faisant la création de ma maison avec une fresque, avec du bricolage, avec du jardinage, avec du débroussaillage, avec des décorations, des idées, peindre un objet, avec une préparation de matin dans l'état. Pour aller dans l'état du clown, à travers la méditation, de tai chi, de danse, de relaxation, de marche dans le garrigue, de jouer dehors, de jeu théâtral. Voilà, je propose ça, d'englober un moment de créativité pour construire un lieu costaud, un lieu de la résistance, de la ré-résistance. C'est ça, on va pas mourir sa vie, on va se réveiller, on va vivre la vie maintenant, pendant qu'on l'a. On a un moment dans le temps, maintenant, c'est calme, c'est le moment d'y aller. C'est pas un moment pour faire autre chose, c'est maintenant, c'est dans cette mois-ci, c'est mon anniversaire. J'ai décidé que, j'ai décidé ça parce que je savais depuis des années que ça allait arriver. C'est pour ça que je tenais la baraque. Non, mais sérieusement, Marie-Aloine, comment ça va? C'est intéressant aussi, j'ai des gens parfois, ils discutent et ça donne... c'est très intéressant de savoir qu'est-ce que vous avez à dire. Je peux sûrement imaginer. Je peux que imaginer. Je peux sûrement imaginer. Vous savez, c'est quand même bizarre de parler comme ça. Moi, je ne savais pas que j'étais capable de faire. Enfin, je sais que je... Enfin, voilà, c'est... Je dois imaginer que vous parlez aussi. Bon, en même temps, on ne me coupe pas la parole. Hein. Ça, c'est bien, parce que ça m'énerve, ça. Dites donc, vous connaissez ça? Vous êtes en train de parler. Vous installez votre idée. Vous n'êtes pas encore commencé vraiment à dire ton idée, parce qu'il fallait que tu le construis avant de le dire. Et on te coupe au milieu de ta phrase et on commence à dire oui, mais moi je ne suis pas d'accord parce que toi tu veux faire ci, ça, mais ah non, attends. Ah, non, 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 non,
envie de ramer encore. Faut quand même comprendre la discussion. Mais qu'est-ce que c'était pas ça que je voulais dire? J'ai pas envie de passer 15 minutes à discuter de quelque chose que c'était pas le sujet. J'en ai marre que les gens me coupent au milieu de mes phrases. Et moi, j'essaie de ne plus le faire parce que j'ai du mal aussi. Mais moi, quand je coupe la phrase, c'est pour ajouter ou poser la question que j'ai besoin de savoir mieux les choses. Je suis pas là dans un jeu de rapport de force, de discussion. C'est trop fatigant. Je préfère écrire mon livre quand même. C'est quand même un don de soi quand on parle. C'est fatigant quand même aussi s'il faut crier pour se faire entendre et que t'as des gens comme certains hommes qui vont te dire oh, alors que eux ils parlent tout fort, d'accord, moi je peux parler fort si je veux, pourquoi pas, c'est ma vie, moi j'ai le droit aussi de parler comme tout le monde, pourquoi on va me couper le parole quand j'ai 57 balais quand même, je sais qu'est-ce que je veux dire. Voilà, j'attends de la bonne discussion intéressante, qu'on peut converser, ça veut dire échanger dans la même phrase des idées et aller en arbre essence. C'est ça l'idée, qu'on se nourrit ensemble de notre être, de nos idées, de la tendresse, de l'humanité. Mais je parle trop vite, vous comprenez? C'est hyper dur à faire comprendre, peut-être. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Ok, donc, moi, je viens d'apprendre que mon arrière-tante, elle s'appelait, elle était une grande dame de théâtre en 1903, qu'elle a inventé le théâtre éducationnel. Elle a enseigné dans les théâtres à New York. Elle était directrice de théâtre et activiste dans un moment qui s'était sordide aux États-Unis. Et elle a sauvé des enfants et des immigrants à les apprendre le langage de l'anglais et des autres langages et les autres sujets à travers le jeu de théâtre. Et elle a réussi à sortir quelque chose qui était tellement fort que ça a bougé le monde. Et elle était reconnue comme quelqu'un de pionnière. Mais c'est ma tante, quoi. Alors, si elle est venue en France aussi, comme moi, je suis venue avec un avion comme ça, là. Enfin, par rapport à elle, elle est venue des États-Unis. Ou est-ce qu'elle est venue est-ce qu'elle était dans une petite chasse qu'elle était née aux États-Unis? Elle a fait le Sorbonne, à Paris, ses études, alors qu'elle est américaine. C'est dingue. Alors voilà, la semaine dernière, j'ai appris que son frère a construit les meilleurs, les plus importants édifices de Manhattan en 1900, début du siècle. Et ils étaient tous dans le théâtre, c'était des théâtres. Et que mon arrière-grand-mère, elle était une danseuse dans le nouveau vaudeville, le Ziegfeld Follies. Les Marx Brothers. Non, je veux pas laisser mourir. Non, on peut pas laisser mourir tout ça. Vous savez, ces gens, ils ont sauvé des autres gens par leur croyance, par leur amour de ce qu'ils font, par la foi. Parce qu'il faut avoir la foi pour faire du théâtre, pour transmettre, pour sentir, pour chercher Dieu, à l'intérieur, sentir l'espace et y croire et aller dans le vide, devant le vide, devant prendre le bide. Et le clown, c'est voilà, le clown, c'est sa force, c'est qu'il peut prendre le bide aussi. S'il est un clown affirmé. Je peux te dire, j'en ai pris quelques vides, hein. Les bides. Toute seule sur scène. Mon première de 40 minutes sur scène. Tout attaché.
les deux petits tissages que j'ai faits, ça s'est fait petit à petit avec l'expérience. De les raccorder, de... voilà. J'ai rentré sur scène. Il y avait des copains dans la salle. Ils ont jeté un mur. Oh, c'était moi aussi, un mur de silence. Aussi épais que je ne pouvais pas respirer pendant une demi-heure. Je pouvais dire que j'avais du mal à regarder mes amis après à l'époque parce que j'avais plus besoin de savoir si j'étais valable ou pas, aussi ce que je faisais. Puis, entre les juges, on dit oui, on a compris, mais bon, c'est quand même gna. Puis eux, ils n'ont pas fait ça. Hein. C'est critique. Mais moi, j'étais. Je ne pouvais pas ne pas jouer, en fait. Même si j'ai... Des fois, j'ai jeté ma valise comme ça, dans le placard. J'ai dit, j'arrête. J'en ai marre. J'ai plus envie de jouer. C'est fatigant. J'en ai marre. J'ai arrivé au bout de moi-même. Je n'arrive plus. Voilà. J'arrive plus à trouver plus. Et ça ne me suffit pas. Et je suis frustrée. Et je suis fatiguée. J'en ai marre. Voilà. Et puis, dès qu'on m'a appelé pour faire un truc, j'ai dit, ah oui, d'accord, je viens. C'est comment, c'est quelle heure, c'est quoi? Ah oui, d'accord, je viens, ok. Voilà, c'est en fait l'opportunité qui fait aussi l'invitation d'être invité de jouer. Et c'est pas toi qui t'invites à jouer pour montrer ton spectacle. On n'est pas là pour montrer quelque chose. On est là pour jouer quelque chose ensemble avec le public. Et quand on n'a pas compris ça, comment ça marche de jouer avec un public et de rester live, c'est quand tu tombes, quand tu restes respirer. C'est tellement dur, c'est tu te demandes si jamais de ta vie tu vas remonter sous scène. Quand tu commences à faire un spectacle dans la rue, il y a 200-300 personnes qui commencent par te regarder, et puis vers 10-15 minutes après, il ne reste plus que 10 personnes. Je peux te dire, dans le froid, à Noël. Hein. Et puis, étudiant aussi, dans le sujet. Hein. J'ai payé le sujet. De Jacques Lecoq, j'ai payé le sujet que j'étais en train d'apprendre par ce que je faisais que je ne savais pas. Voilà. Il fallait que je fasse des nouvelles choses. Je ne voulais pas faire que de mimes. Donc, j'allais dans le vide à Beaubourg. Ah oui. C'est beau, hein? Moi, j'ai envie de... Moi, j'ai tellement de choses à transmettre pour les gens qui voudraient bien venir pour mon anniversaire. Les gens gentils, hein, parce que moi, si vous êtes là pour me squatter et pour me faire de me tirer une otage dans ma maison, ou bien malveillant, vous me faire saboter mon projet, je vous tue directement, et je vais vous dire que je vais avoir les gens ici qui vont vous tuer. Alors, ne venez pas chez moi et m'emmerder, hein. C'est pas parce que je suis une femme toute seule dans la maison qu'il faut venir me squatter et me faire croire que vous êtes partie de mon projet, hein. Ah, je le dis tout de suite, hein. Parce que moi, c'est zéro tolérance, hein. Dès que je sens qu'on est en train de prendre l'au-dessus de moi, on me mener par le nez quelque part, on me mener vers l'eau, le bas, et commencer à me demander pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça, ils me rendent dans ma merde parce que c'est chez moi que je suis. Et moi, je suis pas chez eux. Alors là, j'en ai ras-le-bol, et là, j'ai compris. Alors, ne viens pas ici hein, avec tes mauvaises intentions, parce que ça ne passera pas. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Pas facile, hein, c'est... Ce que je voulais dire, c'est que, voilà, j'ai avait une pneumonie en 2019. J'étais malade. J'ai jamais été aussi malade. Même quand je me suis cassé le bassin et le poignet, j'y étais pas aussi. C'était moins pire que ces deux pneumonies là. Et donc après,
Je me suis trouvée à l'hôpital quand il y avait le confinement. Il me disait que j'étais une personne à risque. Alors, est-ce que c'était moi qui risquais les autres le problème ou est-ce que c'était les autres qui allaient me risquer? Enfin, le tournure des mots qu'on nous a donné à l'époque, les opposés en même temps, enfin, le distance sociale, personne à risque. Ça veut dire toi, tu es un gros molécule, un gros virus ou est-ce que ça veut dire que les autres, ils ont des virus et que tu vas les attraper? C'est pas clair quand même. Un jour le masque, un jour pas. Puis je pouvais pas sortir de ma chambre. J'étais isolée dans ma chambre avec le pire de pneumonie pendant 4 mois. Et j'y allais mieux. Et puis le Covid. L'hôpital, il y avait un rendez-vous dans le salon. Et on était tous assis là. Et ils ont dit que, voilà, il y a cette maladie qui est sortie de la Chine. Moi, j'avais été à Paris dormir dans un dortoir que avec les Chinois dans le mois de novembre. Alors, c'est quand même bizarre. Est-ce que c'est lié? Moi, c'est vrai qu'à Paris, j'étais dans une chambre avec que les Chinois. Il y avait des Chinois de partout. Il n'y avait que des Chinois, en fait. Alors... c'est possible, hein, c'est possible. En tout cas, je n'y étais pas bien. Et après, c'était fou, quoi, parce que... Oh, Cécile, comment ça va? Oh, je t'emmène là. Je ne sais pas comment dire. Et je ne sais pas pourquoi à chaque fois je veux envoyer quelqu'un dans la discussion, ça ne veut pas le faire, ça ne peut pas inviter la personne à ce moment. Ben, je ne comprends pas, hein. Mais bon, je parle, voilà, t'as vu? Ça va? Est-ce que... Non, j'aime pas cette question si ça va, parce que bon, tout le monde dit ça va, voilà. Ils disent, ouais, ça va quoi. Ouais, ça va, ouais, ça va. Ouais, ça va. Ça va? Hein? Ça va? Ça va? Vous allez bien? Fuck. Fuck you all. That's what I say. Ah, ça se dit juste un personnage. Je ne suis pas comme ça, non. Je suis quelqu'un de très raisonnable. J'ai beaucoup de contrôle sur ma façon d'être, en fait. Je gère. Je gère mes états, sauf quand je suis fatiguée. Alors, des fois, je suis fatiguée, mais d'une fatigue infatigable. Ça continue, la fatigue infatigable, quoi. Il dure. Des fois, je dis, mais quand est-ce que ça va arrêter? Est-ce que c'était Covid? Et c'était confinement qui m'a fait ça. Mais il y a des fois que je crois que je vais m'endormir debout. Hein. Je n'en peux plus, j'arrête. Je suis comme un télécommande. J'allais bien, toi allais bien, papa. Et puis, il n'y a plus rien. Plus rien. Je ne comprends pas. Je suis en train de manger en ce moment. J'achète plus rien que manger. Parce qu'on m'a dit, je mange pas bien. Je mange pas assez. Oui, parce que quand t'es tout seul, comment tu veux faire? C'est chiant. Faire une envie de faire autre chose qu'ils sont occupés de la bouffe et la cuisine quand t'es tout seul, quoi. Enfin, moi, j'ai envie de peindre. Être sur une live, faire du clown, m'étirer, faire autre chose. Et non, là, mais non, je dois manger. Il faut manger quand même. Et c'est ça le truc. Si tu manges pas, tu n'as pas, tu meurs. Et tu as de l'anémie, tu as des glycémies comme ci, comme ça. Tu as des malaises. Tu te sens complètement à l'ouest, quoi. Tu peux rien faire, quoi. Tu es complètement fatigué. Et là, t'es chaos. Et moi, je ne veux plus être chaos. Et je veux pas que vous soyez chaos. Mais un peu ok. Karaoke. Ça sera cool si je vous fais un karaoke de Bob Dylan et de tous ces personnages qui étaient des vrais clowns dans les années 60. Des révélateurs de la liberté d'être qui n'a jamais été révélé avant que nous on pouvait savoir parce qu'il y avait pour la première fois le grand média et il n'y en avait pas de censure.
On a découvert les sacrées balèzes personnalités qui n'ont jamais existé avant, qui avaient une énergie, une patate sur scène, qui donnaient à 100%. Ils s'en foutaient s'ils étaient beaux ou pas. Ils étaient dans leur truc, dans leur musique. Oui, oui. Ils étaient dedans à 100%. Ils donnaient 100%. Il n'y avait rien à cacher. Tellement qu'ils ils presque meurent, ils s'en meurent de fatigue. Des fois, je dis, je n'ai jamais récupéré cette fatigue que j'avais quand j'ai joué et que j'avais mon enfant en même temps et tout à fond. Peut-être c'est ça. On me dit que je fais des apnées. On va me faire tester. J'ai dit que c'est un moment où il faut s'en occuper de soi au maximum et qu'il ne faut pas laisser passer ce moment maintenant. C'est le moment propice pour démarrer un mouvement, quelque chose. Et moi, je voudrais le faire avec vous. Je peux vous proposer le lieu, la pédagogie, les instruments, la salle de répétition, l'espace dehors, le gary. Putain, mais qu'est-ce que je peux vous proposer de plus? Alors, tout ce que je demande, c'est que je voudrais avoir de l'aide pour que je puisse vraiment ouvrir les portes le 15 avril et faire un vrai événement et commencer à lancer des événements, les stages et tout. Et je dois les planifier. Et oui, je dois être organisée. J'ai essayé de que les gens me fassent des dons et c'est ma sœur qui me donne les plupart des dons. Alors, heureusement, il y a ma sœur. Hein. J'ai pu acheter un peu de matériel. J'ai pu proposer un peu de matériel que j'ai. Mais si personne ne me donne plus d'argent, je ne peux pas acheter de matériel pour que si j'en viens dans 12 semaines, rester chez moi 10 jours, pour qu'ils aient de matériel pour faire ce qu'il faut, ce qu'ils voudraient faire. Parce que c'est un appel à la créativité, parce que c'est une création, toute une maison, tout un cours et les dépendances en face. Il y a tout qui peut être embelli dans le style de clown et on n'a pas besoin de cacher quelque chose ou que ce sera net. On utilise l'erreur pour rendre beau, voilà, pour le rendre originel. Je m'en fous de garder une maison de classe avec... C'est une maison de patron ici, c'est une maison de maître, vous savez, moi je ne le savais pas. C'est un patrimoine. Oui, il ne faut pas le laisser partir. Je suis toute seule. Et après, ça fait des années que je parle de ce projet et on n'arrêtait pas de me saboter. Je comprends, Cécile. On m'a saboté. Monsieur là, il ne voulait pas que je réussisse dans ça. Il voulait me prendre la maison. Il veut me prendre la maison et je ne vais pas le laisser faire. Il n'a pas intérêt à m'emmerder. Hein? Parce que moi, je ferai cette maison, je vais la faire occuper par le monde et personne ne pourrait me faire sortir d'ici. Mais je ne devrais pas parler comme ça. Non, mais des fois, il faut sortir ses émotions aussi du vrai. Hein? Il faut accepter les émotions qu'on a. Et c'est le fait de les exprimer vraiment une première fois qui fait qu'on peut comprendre qu'est-ce qu'on ressent pour y jouer. Vous comprenez? Apparemment, dans cette semaine, c'est de la folie, quoi. C'est de la folie, cette semaine, ce qui s'est passé. Nous, on est dans un nouveau époque. Si maintenant, on prend cette opportunité, dans le février, à se réunir et faire quelque chose qui est fort et beau, parce qu'il y a de l'énergie de là, et quand on a confiance les uns les autres, et on devient fort soi-même, et on a de complicité et le jeu, on peut vaincre le monde par le rire, par le théâtre, par la créativité. On ne peut pas nous avoir, même si nous attaquons ensemble, même s'il n'y a plus rien à bouffer, on sera ensemble, et on va faire que les autres sont ensemble avec nous aussi, tout le village, parce qu'on va pouvoir influencer tout le monde dans le bon sens. Si ma mission, je me demandais c'est quoi ma mission maintenant.
Je dis, à la place d'être en voyage à l'international, ben, à l'international, il vient chez moi. Et il fait un spectacle ici. Voilà. Parce que je c'est pas le moment de voyager. Hein. Ben, j'ai pas envie. Hein. Enfin, ça va, quoi. J'aime bien rester, rester ici, en fait. C'est chez moi. J'ai envie de peindre aussi. J'ai envie de jouer le piano. J'ai envie d'accueillir les gens, de transmettre ce que je sais, de moi-même faire mes propres exercices avec un regard extérieur. Parce que maintenant, j'ai plus l'ego qui m'empêche d'essayer les choses et rater devant mes propres élèves. Parce que là, normalement, voilà. Je me souviens que j'étais l'assistante de Philippe Gaulier, le plus difficile des profs de clown. Et il m'a demandé de faire les exercices alors que j'étais l'assistant et j'étais très jeune. Hein. Eh ben oui. Qu'est-ce que j'ai raté ma race à être aussi nulle. Parce que j'y pensais. Je suis l'assistant, il faut que je fasse bien. Alors que c'était le contraire. Mais j'étais trop jeune, j'étais une clown militant. Oui. Clown militant. Je suis une militante. C'est quoi, je suis une militante, là. J'aurais fait le militaire, hein, si j'avais pu... J'ai pas arrêté sur le Mimi le clown, hein. J'étais prête à aller faire le militaire en Israël, hein, parce que je voulais apprendre comment faire, comment me défendre et comment ça se passe, la guerre, et toute en mentalité et tout. Et me renforcer, j'avais 19 ans, là. J'ai fait un an vivre sur ce deux kibbutz différents. Le désert et le jungle, voilà. Dans les champs. Une petite fille juive hein, de son père qui est psychiatre et sa mère qui est excentrique et tout, divorcée, Baltimore et tout ça, je me retrouve dans le désert en train de travailler dans les pastiques devant les montagnes de Jordanie. Et c'est là où j'ai compris. J'ai compris qu'on n'a pas besoin de tout ce qu'on dit qu'on a besoin pour être quelque chose. C'est qu'on devrait être qui on est là où on est. Parce que quand tu es là devant la mort qui pourrait arriver là-bas, soudain, la vie, tu ne peux pas dire je vais faire ça pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça. Et après, je serai quelqu'un. Non, tu es déjà quelqu'un. C'est quelqu'un et là, si tu es là et tu existes et que tu es bien et tu fais ce que tu aimes, c'est que tu as déjà réussi. C'est ça la réussite. On s'en fout de la carrière. Non? On s'en fout. C'est, les gens, ils sont carriéristes. Moi, j'avais juste envie de bien faire mon art, d'arriver au bout de ce que j'ai pensé, que j'avais compris de qu'est-ce que c'est vraiment le clown au bout. Et j'étais arrivée à le bout. Et voilà, il y a des accidents de vie, hein, c'est comme ça. Hein, des gens qui ont des accidents autour, il y a l'histoire familiale. Il y a des trucs, c'est quand même pas évident, hein. Mais bon, rien, qu'est-ce qu'il y a évident? Est-ce que c'est évident de devenir un technicien d'ordinateur et qu'il change tout le système et tu te trouves, tu comprends plus rien et tu as plus de boulot? Enfin, il n'y a rien, j'ai compris, il n'y a rien de sûr dans la vie. Alors pourquoi pas? Mais d'ailleurs, je n'avais pas le choix. Je me suis trouvée à Jérusalem sans travail et avec le loyer à payer. Et je me dis, comment je vais faire? J'ai perdu mon travail, j'ai commencé à être coiffeuse. Ben alors là, j'avais été au kibbutz pendant 6 mois dans un et 6 mois dans l'autre. Personne n'a été chef, personne n'a traité l'autre comme un sous-être, rien. Il n'y avait pas de commandes et de maltraitance, il n'y avait pas de hiérarchie. C'était du vrai communisme. Pour du vrai, le commun, la communauté. Et j'ai vécu ça, et j'adorais ça. J'adorais travailler dans les champs. J'adorais tout le travail qui était comme ça. Et ma tête est partie, elle est partie. Libérée. Et j'ai dit, oui, c'est pour maintenant. Parce que demain, peut-être, on n'est pas là. Et pourquoi je vais devoir faire quelque chose d'autre pour être moi? Je vais vivre ma vie et je vais voir. Parce que j'étais jeune et je savais...
Pas dans quel sens je voulais aller, j'avais pas payé une université, là, avec le Reagan de connard, là, qui nous a mis cette monde dans l'envers, avec Cyrilopathe, avec Gorbatchev, là, à faire semblant de faire la paix, espèce de connard, franchement. Enfin, il était dégueulasse, mais franchement, je ne peux pas supporter de le regarder, ce Reagan. J'ai quitté les États-Unis, j'étais dégoûtée, dégoûtée. Comme il était élu, le monde a écroulé là-bas. Écroulé. Et j'étais en Russie, j'ai vu l'évolution. J'étais là aussi après le perestroïka, juste après le mur a tombé, comme c'était le bazar là-bas. Il n'y avait plus rien. Plus rien comme système, les gens, ils étaient à la rue en train de tenir un truc, un autre truc. Et ils ont le froid à se tenir côte à côte avec leur manteau en fourrure, et les derniers qu'ils avaient, truc sur la tête et un chat et un chien. Mais franchement, les gens, ils avaient faim, quoi. Ils avaient plus de boulot, il n'y avait plus de système. Ça, c'est sympa. Est-ce que c'est sympa, ça? De le faire la paix, et puis on laisse les gens se démerder sans aucun système. Il y avait une fille, enfin, on était à Paris aussi à l'époque. Ben, quand quelqu'un venait, il y a cette film dénonceur, tant de gitans, là, qui fait connaître qu'en fait, c'est de la prostitution de l'être humain. Donc, on commençait à comprendre le combine là, des Romains qui faisaient semblant de ne plus avoir de bras et être très malades, de demander de l'argent parce qu'ils étaient amenés par une espèce de Macron, là. Mais c'est drôle, il s'appelle comment il s'appelle maintenant? Macaroni? Macaroni and cheese. Macaroni without cheese, that's what I say. Je ne savais même pas comment il s'appelait, le président, quand je l'ai vu la première fois. Bon, je saute du Coca-Cola à l'Alain. Mais c'est dur, hein, c'est drôle la vie. Hein, je crois que j'ai... Et non, je ne sais pas si vous, comment vous vous sentez. Vraiment, ça m'intéresse. Vous pouvez m'écrire aussi. J'aimerais bien savoir vos commentaires, comment vous ressentez. Comment vous ressentez ce live? C'est nouveau pour moi. Je ne suis pas quelqu'un qui parle d'habitude devant une caméra. Je suis un mime. Je suis une mime. Regarde. Ça. Ça, c'est moi. Je suis une mime. Une mime clown. C'est belle, hein? Je suis belle. Ouais. Gladys et Laura et Léa Haya. C'est qui Léa? Léa Haya, c'est pas le Léa machination de cerveau, là. Attention, hein. Non, moi j'ai pas envie de manipuler les gens. Oh, ça c'est pas bien, ça, c'est horrible, horrible de faire ça, c'est un péché. On peut amener les gens là où on veut aller parce qu'on apprend quelque chose à quelqu'un et on veut transmettre quelque chose, ça c'est pas, ça c'est de la bonne sens, le bon sens. Mais la manipulation, c'est quand tu ne sais pas que tu es en train d'être manipulé. Tu peux pas imaginer ça et on veut quelque chose de profiter. Là, quand on entre guillemets, manipuler les choses dans le bon sens, on n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. On fait ça parce qu'on aime ce qu'on fait. Je ne savais pas. Maintenant, je le sais. J'étais j'avais le baptême de pervers manipulateur narcissiste, machiavélique, triade, psychopathe. Je sais exactement comment ça fonctionne, le gouvernement, là. Je sais. Et c'est pour ça que ça m'est arrivé. Parce qu'il fallait que je comprenne ce qui se passe aujourd'hui. J'ai compris quelque chose, un mécanisme. Je ne suis pas quelqu'un d'étude. Je ne suis pas quelqu'un qui regarde partout pour l'information. Je vis ma vie. Je le vis. J'ai vécu la rue. J'ai vécu la tournée de monde. J'ai vécu les allers-retours aux États-Unis. Voir comment on détruit les États-Unis. Merci. Maria, si gentille de me le dire.
Ça, c'est de la bienveillance, par exemple. Ça, c'est la bienveillance. Parce qu'il y a David Loulou, que j'aime beaucoup, je l'adore. Hein. Il parlait, il veut pas de la bienveillance, il s'en fout de ça. Mais je crois qu'il faudrait mettre sur le table qu'est-ce que ça veut dire, les différents termes. Les termes de la bienveillance, par exemple. La bienveillance, c'est quand tu vois quelque chose de beau chez la personne et tu le dis. Et tu le gardes pas. Voilà. Ça, c'est de la bienveillance. Alors, il y a des gens qui voient des choses de bien chez toi, mais ils ne vont pas le dire pour différentes raisons. Soit par timidité, soit par manque de confiance, soit par envie de te... t'attraper. Oui. Et ça, c'est pas de la bienveillance. Quand quelqu'un est en train de regarder où est l'erreur chez toi et te dire que c'est que tu as fait pas bien, tu ne sais plus qu'est-ce qu'il peut faire pour te faire du bien. Tu as envie de faire du bien, envie de plaire les gens, non? C'est normal. Alors, l'autre, là, de son plaisir, c'est de dire que tu es de détruire sans que tu te rendes compte. Mais c'est fou, quoi. C'est de la folie, quoi. C'est de la folie, mais du plaisir. Enfin, c'est quoi ça? Mais c'est... Je ne peux pas le croire. Je ne peux pas le croire. Mais je le crois parce que je l'ai vu, je le vois. Et maintenant, j'ai compris qu'est-ce que ça se passe. C'est les mêmes ces gens là-haut. J'ai écrit aujourd'hui. Ils sont même pas les bons manipulateurs, pervers, narcissistes, ces gens-là, qui dirigent le pays, là, qui se dit diriger, qui nous assassine, qui nous tue l'esprit, qui nous sépare et nous fait peur, ces cons, qui souffrent leur race, qu'on voit, ils souffrir, que nous, ils nous font souffrir. Voilà. Non, mais non, c'est pas ça. On dit non, c'est pas bien. C'est pas bien de vouloir de mal aux gens, quoi. Un jour, je me suis demandé, parce que je me suis dit, si j'étais attrapée par les nazis, peut-être c'était mon histoire, hein? Peut-être, parce que j'ai eu un rêve. Une fois, j'ai eu un rêve incroyablement vrai. C'était une vision, comme si j'y étais. Que j'étais en train de me ridiculiser pour faire rire les nazis, pour me sauver la vie. Voilà. Et j'ai réussi à les faire rire quand même. À mon détriment. Mais ça m'a sauvé la vie. Et je savais où aller dans leur mentalité et leur faire rire avec leur merde. Merde. Mais les autres là qui sont là, je pourrais même pas jouer. Ils en ont rien dans la tranche, même pas de la... C'est les premiers pervers narcissistes qui sont même les mauvais pervers. Enfin, si tu veux être un pervers narcissiste, sois au même vrai. Fais un vrai masque qui est beau, quoi, au début. Au moins que t'es charmant, quoi. Et que tu trompes les gens avec ta charmerie. Ah non, enfin, ces gens-là, ils sont aussi moches. Ils portent un masque de diable qu'ils enlèvent, il y a le diable en dessous, quoi. S'il n'y a pas de différence entre avant et après, ils sont toujours pareils, quoi. Mais comment c'est possible de vivre avec des gens comme ça? Et puis ces femmes-là, ils sont en train de nous flinguer, les féministes. Tous les hommes maintenant, ils détestent les féministes à cause de ces femmes-là, ces néo-féministes et ces néo-pervers narcissistes. Voilà, c'est les néo-nazis, voilà. Bah, qu'ils aillent à l'asile, voilà, qu'on les enferme dans l'asile et qu'on les fait bouffer leur merde, qu'on les fait bouffer de des insectes et subir de l'inceste et qu'on les... Laura, calme-toi. Okay. Now I'm going to take a break and I'm going to be myself and I'm going to calm down because I love to play. J'adore jouer. J'adore jouer. Ça me manque. J'ai envie de jouer. J'ai envie que les gens viennent ici, qu'on joue de la musique, quoi. Qu'on fasse une vraie recherche, qu'on construise quelque chose.
Voilà, et je ne veux plus qu'on m'arrête. On a essayé de m'arrêter pendant 5 ans. Voilà. J'ai compris qu'est-ce que c'est difficile d'être une femme toute seule. Ma mère, elle avait raison. Quand t'as 50 ans et t'es toute seule, tu es dans la merde. Voilà. Et on en a combien qui sont en train de mourir sur les ponts aux États-Unis? On les jette, les femmes de 50 ans, comme si elles étaient des vieux chaussettes, alors que c'est le moment de sexualité le plus précieux au monde. Enfin, c'est là où on est bon, quoi. On devrait prendre des jeunes. Ça, c'est pas, on devrait l'opposer. C'est complètement con, quoi. La logique des choses, c'est que la femme, elle est dans plein âge d'or aussi. Avec son cheveu grisonné qui lui donne de l'air d'un lion, comme les hommes, on les admire parce qu'il a un petit peu de gris, ça lui donne de la noblesse, que nous, on n'a pas le droit d'avoir les cheveux gris. Merde, fait chier. Mais je me suis dit, j'ai jamais, jamais teindre mes cheveux. Je l'ai fait une fois, une teinture soi-disant qui est une demi-teinture qui se lave après 6 semaines. Ça, ce n'est jamais lavé. Il y avait une barre comme ça. Comme ça. Et ce dimanche-là, alors j'ai pris un truc permanent. Et après, j'ai eu 5 ans de stress, mais terrible. Et puis, du coup, j'ai commencé à voir que ça pousse et c'est gris. Et gris. Et oui, c'est ça. Mais j'aime la vie, hein. Ça m'a sauvé la vie, hein. Toujours, toujours. Quelque chose de toujours sauvé la vie, c'est de pouvoir rire quelque part de la vie. Quand, par exemple, aujourd'hui, j'ai trouvé le macaroni and cheese, j'ai trouvé le truc des pervers narcissistes, là. J'ai un sujet maintenant. Je ne savais pas comment en rire de ce qu'on vit, là. C'est quand même difficile, la vie. Je m'en souviens, en 2020, comment j'avais peur. Mais j'avais peur de ce qui se passait là avec ces passes et plus de pompiers, plus d'hôpital. Mais et non, c'est pas l'arnaque. Ah oui, c'est-à-dire le nier au féminisme. Mais il faut faire attention, il faut pas dire féminisme parce que le féminisme, c'est très important. On a besoin d'avoir un nom pour ce qu'on est. On est des femmes et on est dans les ismes. Is to be. It's to be. Isme. To be feminine. Feminine. Et pas féminine dans le sens du terme que les hommes voudraient qu'on soit, qu'on a décidé par la politique pour nous limiter tous nos mouvements et nos gestes et tout ça, quoi. Voilà. Le féminisme, c'est d'être une vraie femme, ça, de soi-même, d'être complète, entière, et aussi de pouvoir être drôle à être une macho comme l'homme peut être drôle de jouer la femme. Voilà! Ça m'énerve. Vous savez, il y a un moment donné où t'as tellement vécu que si tu peux en rire de choses, au bout d'un moment, il faut... Si on est mal, on est mal. Mais c'est qui, hein? Les féministes, on va les accoupler avec les pervers narcissistes. C'est les pervers narcissistes, déjà. Ces femmes-là, on n'a même pas pu vivre la révolution de le féminisme avec ces femmes-là qu'ils ont mis en place par les hommes. C'est pas un mouvement des femmes qui a fait qu'elles sont là, quoi. Je sais pas, on a mis, je sais pas qui, ces imposteurs de femmes-là qui les faire. Tout le monde a le droit, comme les hommes, ils ont dans le jeu de force, non? Ils sont tous dans le jeu de force, normalement. Donc, après, on va critiquer. La seule chose que la femme fait, c'est de faire comme l'homme. Les mêmes choses, on les flingue parce qu'elles sont en train de se comporter comme des connards, quoi. Mais c'est pas tous les féministes, c'est pas tous les femmes. Et les femmes sont pas comme ça. Et moi, je suis en train de rire de ça. Même si j'ai l'air fâchée, que je suis pas fâchée. Everything is under control. I'm really under control. I'm going to smoke a joint. Yeah, man. Yeah, Saturday night. Yeah, it's Saturday Night Live. Everybody. Oh, no, sorry. It's Friday night. Oh, no. J'ai oublié. Vous savez, il y a tellement de choses dans la finesse des mots. C'est
très important d'aller jusqu'au bout de la finesse du mot dans la précision exacte de qu'est-ce que les choses vont dire. Et pas se tromper le sens. Par exemple, la religion. Tout le monde se trompe le sens. C'est incroyable. On se trompe le sens à cause d'un mot et on ne comprend pas l'idée. Parce qu'il y a des gens comme les féministes, hein, ils se sont mal comportés en utilisant telle religion et du coup, on n'aime pas la religion. Vous savez qui n'aime pas la religion? C'est ceux-là qui étaient obligés de l'apprendre à l'école ici en France, ça je le sais, et de prier Dieu un bon homme dans le ciel. D'accord? Alors bien sûr, si tu es en train de dire que c'est un bon homme dans le ciel et qu'on te force à prier Dieu et tu veux matérialiser un personnage et appeler ça Dieu, mais quelle limitation! Bien sûr, tu vas pas croire dans ce truc-là. C'est même pas, y a pas un Dieu. Dieu est un. C'est différent. Ça, c'est le judaïsme, c'est le bouddhisme. Peut-être, je sais pas si c'est l'islam, enfin, le musulman, je sais pas. Mais, l'idée que, on est séparé de quelque chose pour dire qu'il y a un Dieu, on est flingué là. Là, on est limité parce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y a un tout. Tout est séparé, catégorisé. On y va pour le veau d'or, on va pêcher, on va faire de l'idolâtrie tout le temps. Même prier le croix, c'est presque de l'idolâtrie parce qu'on est en train de... Ben, c'est un symbole, je ne peux pas juger ça. Mais... moi, j'aime bien Jésus. Hein. J'adore le film Jesus Christ. Jesus Christ, superstar. Who in the world do you say you are? Il faut regarder ce film. Ça raconte la vraie histoire, je crois. C'est-à-dire, il a monté en flèche comme une star. On a fait tout un chose de lui. Et lui, alors, du coup, il était dans la merde parce qu'il y avait trop de monde qui aimait ce qu'il faisait. Et du coup, c'était dangereux pour les Juifs par rapport aux pouvoirs des Romains en Israël. Hein. Ils étaient en Israël, hein. OK. Il y avait toujours des Juifs en Israël. Il faut arrêter, là. Je vais vous dire quelque chose. Enfin, en Israël, moi, j'ai habité là-bas pendant 2 ans. Je peux vous dire qu'est-ce que c'est de vivre devant la montagne de Jordanie et avoir peur si quelqu'un te lance un bombe sur ta tête. Voilà. Et les gens ne comprennent pas. Tout le monde a le droit d'occuper les territoires. On est en train de défendre la Russie qui veut reprendre ses territoires. Et on critique le juif. Et Ahad, oui, Ahad, c'est un, c'est ça, Al-Ahad. Oui, en fait, lire Dieu est Al-Ahad. Dieu est un. C'est Ahad, c'est vrai que ça en plus, quand j'habite en Israël, c'est tout ce problème et orchestré la guerre. Je peux vous dire que moi, je sais, il y a des gens qui parlent de l'Israël, ils en parlent, ils en critiquent les zionistes. Mais c'est les faux zionistes aussi, comme les féministes. C'est les gens qui ont repris le mot zioniste et ils l'ont pervertisé. On n'est pas là pour coloniser. On a juste voulu vivre côte à côte, on ne voulait pas. Donc il fallait se défendre à un moment donné. Voilà, c'est tout, c'est normal, non? On n'a pas le droit de se défendre, on se laisse être brûlé dans les camps de concentration, comme vous là qui vous a fait picouser là. Hein? Vous voyez le programme là, quoi. Le programme, mais c'est le programme, c'est le programme, c'est le programme, c'est le programme de programme, de mort, de tuerie, de massacre que nous a fait là. Pendant 2 années, on va pas s'en sortir de cette violence psychologique qu'on a vécue. Et si t'as vécu la violence psychologique à l'intérieur de cette violence psychologique, parce que tu étais en train de te divorcer et tu étais en train de te faire harceler, alors je peux vous dire, c'est un double, c'est un truc où t'as un truc comme ça et un truc comme ça, et ça fait comme ça. Et tu fais. Bah,
aussi. J'ai tant envie. J'ai même pas de sang. J'ai pas d'eau. J'ai pas de bouche. Je suis toute sourde en l'air. Oh là là, j'étais dans ma maison, là, non, c'est qu'on peut même plus aller à l'hôpital, que je venais de sortir de l'hôpital de Poulomie, si jamais on n'avait pas la vaccination. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Comment c'est possible qu'on a subi ça, qu'on a laissé passer ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens, réveillez-vous! Et il y a les gens qui se réveillent, même pendant le confinement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte, hein. Hello, Jeff, how are you? Do you speak French or English, or do you speak both? Why can't I bring people into the video? I want to know how I can... I see something happening. I see something happening. Something's adding. Should I touch it or not? I would like to welcome our next guest. Guess who it is? Our next guest is a guest. Guess who's the guest? I hope he will arrive. He's coming from far away, from the skies up above, down to the earth to talk. Oh, I hope it works because it's been tried before. Sometimes people just tell me to calm down. That really pisses me off, you know. Why should I have to calm down? What am I doing wrong? You're gonna, what do I do? What do I do? I saw it was, can you try again, Jeff? Were you trying? Jeff, what happened? Can you try to come on again to the, should I do something? Should I push a link or something? Write to me. I would like to know how this works because it doesn't work every time. I don't understand. Jeff, I'm going to try again. Invitation. Unable to add joint guest in your broadcast. What's wrong? Charles Attend is watching. What are you watching, Charlie? What's going on, Charlie? Hi. Charles, how are you? Charles. No, I like you, Charles. It's okay. Charles, tell me, vous êtes, qui de la France, qui des États-Unis? Who's from the States, who's from France? Because I don't know what language to speak, and I'm getting really, like, all mixed up in my head, you know, and I'm, like, trying to hold on, you know, and, like, keep the speech going up, you know, and I really hope somebody will show up, and we can have a talk and stuff, and it will be really fun, and, well, yeah, so I was saying, what was I saying? Sometimes it's good to be to just stop. Ça fait peur quand même parce que des fois tu vois les gens arrivent, tu vois un, deux, trois, quatre, et puis ça descend. C'est comme quand tu as du public, tu as dans la rue et tu vois qu'ils partent. Il faut que tu joues, ils partent. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a un œil, il y a une, mais je vois qu'il y a plusieurs de vous qui regardent. Et qui regarde là? On va voir. On va voir qui sont les invités. Alors, on a Tofi. Gusumi, je ne sais pas où, mais si vous pouvez, est-ce que vous pouvez faire des commentaires? Est-ce que vous pouvez pousser des likes? Pousser des likes pour me dire que vous êtes là. Est-ce que vous pouvez pousser des likes et partager mon vidéo? Parce qu'en fait, je suis là aussi pour raconter que je veux sauver le monde. Je veux que nous, on sauve le monde, qu'on devienne activiste, proactif. Proactif, ça veut dire maintenant. Il faut se rejoindre maintenant ensemble et se mettre d'accord sur quelque chose qui est une nouvelle société qui va marcher sur de vraies valeurs. Salut! Ah, j'ai un salut. Ça, c'est bien. Ça fait du bien, ça. Ouh, si je suis une clown, j'ai besoin d'un peu de retour. J'étais dans la ville aujourd'hui, hein, et
juste pour la première fois depuis bon, 2 semaines, hein, moins d'un mois. J'étais ici dans le village et c'était trop cette énergie de me sentir les gens aussi, avec cette fraîcheur du village. Et il était là, il était en envie de. Quand même, c'est anonyme, alors du coup, tu sais pas que tu t'en fous, c'est que tu te donnes, tu te livres à quelqu'un et cette personne est devant toi et il est, normalement, ils sont contents. Hein. Ah oui, j'ai travaillé avec, enfin, j'ai travaillé avec la caissière. Oui, on a fait la caisse ensemble, en fait. Et quand je vais à la caisse, quand j'avais des infirmières, quand je vois les gens qui sont en train de faire de travail qui sont complètement mal estimés, pas reconnus et mal payés, parce qu'en général, c'est les femmes depuis toujours. Et quand c'est un homme qui fait le même travail, c'est parce qu'il est spécialiste du métier. C'est vrai, hein? C'est ça. C'est de se rendre compte de ça, c'est ça le féminisme. C'est les droits humains. Là, je vais expliquer quelque chose par rapport à mon ami. Il y a des gens qui disent, oui, on est dans un matriarcat. Oh, bon, alors laisse tomber. On n'est pas du tout dans le matriarcat, là. Le vrai matriarcat, c'est une société où c'est des tribus, des groupes, des personnes, des sociétés où la femme avait le droit égal de l'homme et on écoutait ce qu'elle avait à dire, c'est tout. Et puis, grâce à ça, ils s'entendaient bien et n'avaient pas besoin d'avoir le bagarre. Voilà, ils s'entendaient bien. Et donc, c'est un travail collectif. C'est un travail collectif, en fait. Même quand tu lis le livre, je ne suis pas tout à fait d'accord, hein. Madame, Mars et Vénus, machin, Pinus, Vénus, Pinus, Clito et tout ça. Non, la vérité, c'est que dans un vrai matriarcal, et je l'ai vécu parce que je suis une clown dans un monde métier de mec, quand on dit même pas homme clown, on dit femme clown ou féminin. Est-ce qu'on dit clown ou masculin? Et en plus, quand il y avait des festivals de clowns, hein, les festivals de clowns, hein, et c'est que c'est un festival de clowns, mais avec une femme, une. Voilà, parce qu'on a reconnu que... Elle pourrait être une clown. Voilà, que c'est quand même unique. Mais il fallait être unique et que surtout qu'on ne se voit pas entre nous. Hein. Mais je peux vous dire quelque chose. J'ai fait des festivals de femmes. Et pourquoi on fait un festival de femmes? Ce n'est pas parce qu'on a besoin d'être entre femmes et qu'on ne veut pas des hommes. C'est parce qu'on veut se rencontrer. Putain de merde. Mais oui. On a toujours fait pour que la femme se trouve toute seule. Elle n'a jamais joué dans aucune équipe de sport quand ma mère était jeune. Elles n'avaient pas le droit. Donc, il n'y avait pas de travail d'équipe. Il fallait qu'elles se marient dès qu'elles sortent de l'école, qu'elles tombent enceintes et qu'elles restent à la maison. Et il avait tous les droits. Non. Ça, c'est pas normal. Et c'est pas normal non plus que ces femmes-là, comme... Elisabeth Borne, elle sort de où? Tu crois que c'est parce qu'il y avait une révolution? Vous croyez qu'on a gagné quelque chose? Mais non, on n'a rien gagné du tout. Enfin, c'est une privation de plaisir d'avoir une femme qui arrive enfin d'être dans les politiques avec des hommes. Parce que combien de femmes il y avait? Est-ce que vous pouvez compter? Et vous vous fâchez avec les femmes qui sont comme les hommes, encore plus que les hommes. Mais vous êtes des quand même, hein? Non, mais il faut le regarder en face. C'est vrai que c'est pas normal non plus. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que les femmes néo-féministes, tu les appelles comme vous voulez, moi, c'est pas des féministes, c'est des infiltrates. Mais dès que c'est les femmes et dès que c'est les juifs, on les blâme. Et les francs-maçons, je sais pas les francs-maçons qui c'est, mais c'est toujours on blâme les francs-maçons. Je ne sais pas qu'est-ce que c'était au départ
Peut-être il y a quelque chose dedans. Il y a quelque chose qui a fonctionné, en tout cas apparemment, avec ceux-là qui ont voulu abuser du système. C'est pas, peut-être pas le sens même des choses qui fait que c'est des gens horribles. Je pense pas que tous les gens dans le franc-maçon ont voulu qu'on flingue le monde avec les vaccins. Oh! Oh non, maintenant je peux dire vagin, vagin, vagin. Voilà, c'est ça que j'ai dit, vagin. C'est pas dit vaccin, vagin. Vagin. Oui, alors là, ça m'a mis des années à pouvoir dire vagin. Là, je dis vagin. Voilà. C'est beau, vagin. C'est vraiment... Vous ne le connaissez pas, mais même les femmes ne le connaissent pas. Mais c'est fou, hein? Moi, j'ai appris à 40 ans que le clitoris n'est pas juste un bout comme ça, avec beaucoup de diversité, etc. Mais que c'était toute une structure qui va, que vous le sachiez, que si vous ne le savez pas, peut-être ça se sait maintenant, parce que ça fait quelques années depuis que j'ai eu 40 ans, mais j'ai eu plus que 40 ans. Ah, c'est un homme qui m'a raconté, il dit, il a appris que, à la télévision que ça a dû être avant Macron, hein, quand on parlait des vraies choses. Alors maintenant, est-ce qu'on parlera de la clitoris à la télévision, sur une émission télévisée, on laisse tomber, on n'a parlé de rien du tout. Là. Et alors voilà, alors, c'est un organe qui fait partie de tout un... Ça fait tout le long du paroi du vagin. Et ça fait tout le tour. Et ça vient à... C'est juste le bout, en fait. Et c'est... Je ne sais pas combien de neurones et de connexions nerveuses de 20 millions de plus que... Enfin, moi, ça m'a fait mal. Quand on voulait juste me toucher, là, je dis... Ouais, attends, il y a... Aïe, voilà. Anyway, c'est pas facile à expliquer la sexualité quand on est dans un couple. On est quand même avec les mouvements des femmes et le mouvement de liberté sexuelle, on n'a quand même pas pu vraiment parler de sexe comme il faut. Hein. C'est-à-dire quand même... Moi, je m'en souviens, moi, je voulais faire comme des maîtres. Je voulais dire, OK, si vous voulez essayer d'avoir, de faire votre numéro, là, comme ça, moi, j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ben, je fais comme vous. Ah, vous savez, c'est de la merde. Ce n'est pas du tout intéressant. Voilà. Ça, on est avec... On était encore loin d'avoir eu des droits humains et la liberté de la femme, elles étaient mieux, mais les hommes, ils avaient resté dans un état quand même de profit de l'autre. Profiter et de chucher. C'est horrible. Et vous savez, même à mon âge, quand il y avait le mouvement féministe, on pouvait te pourrir ta réputation si jamais tu faisais le premier pas vers un garçon. Et moi, dès que j'étais au CP, tu ne sais pas pourquoi, le premier jour, j'ai vu le garçon en face, on est descendu sur la table, on s'est fait un bisou. Ça s'est arrivé une fois, et c'était toujours face de moi. Après, moi, j'ai, moi au CP, moi, j'ai été dessus, des CP. Moi, je disais, je vais aller à l'école comme les grands, et je vais avoir des livres et des devoirs, je vais tout lier. C'est génial, j'ai envie d'apprendre. J'arrive, qu'est-ce que je vois? Tout le monde, comme des bêtes, des sauvages, là, en train de sauter partout dans la classe et faire des bruits avec des choses. Et j'étais là, tout mince, comme ça, avec mes livres. J'ai rentré dans la classe, je me suis sentie tout de suite que tout le monde me matait et qu'ils sont mariés de moi. Et j'étais... Oh! Et alors, vous savez qu'est-ce qui m'a... Ce qui est fou, c'est que c'est le même état qui est... C'est mon personnage de Gladys. C'est cet état-là.
d'essayer de retourner les vapeurs, de retourner le mal vers le bien. Voilà. Maintenant, on rigole de moi, je suis contente. Mais ça dépend, il y a certains rires qui ne sont pas... Mais je parle de... Maintenant, si on rigole de moi et que je suis con, bah, moi, je trouve ça super, quoi. Mon droit est de faire des blagues, quoi. À la place d'être complètement là, par exemple, à la place d'être, peut-être c'est là où j'ai eu mes ressources, hein, à la place d'être complètement traumatisée par mon expérience d'entrer dans la classe de CP et de rien comprendre de ce qu'on demandait, parce que c'était vraiment bizarre, quoi. Bizarre, il y avait des ronds, il y avait des cercles, comme ça, des cercles, tac, tac, tac. Et en fait, il y avait des symboles et il fallait remplir les cercles. Je ne comprenais pas. Je ne voyais pas. Qu'est-ce qui, je ne comprenais pas. On a dit, bon, m'expliquer qu'est-ce qu'il fallait mettre les crayons dans le rond pour les trucs que je vois là. Et voilà. Je ne comprends pas. Je veux apprendre à lire. Je veux écrire. Je veux parler. Et il me demande de rentrer les trucs. Et je me suis sentie vraiment débile. Et on te fait sentir débile. Et un jour, j'ai dit, j'ai pas envie de faire ça. Le prof a dit, bon, d'accord, ok. Mais elle était gentille, c'était la copine de ma grand-mère. Au moins, je n'étais pas traumatisée par un prof qui m'a voulu faire du mal. Hein. Parce qu'avec mon fils, moi, je peux vous dire, quand j'ai eu mon fils, c'est peut-être... Je suis militante féministe, maman allaitée. Le féminisme, c'est de savoir qui on est comme femme, qu'est-ce qu'on a comme pouvoir de notre corps, de notre être, de notre capacité, nos corps, et de le respecter et de savoir de qu'est-ce qu'on est capable, qu'on peut accoucher. On peut avoir des accouchements qui ne sont pas être comme une morte sur une table avec quatre personnes et des jambes écartées comme un poulet sur la table qu'on va manger, quoi. Ce n'est pas ça, l'accouchement naturel. Enfin, c'était du moins, je n'avais jamais vu un accouchement naturel. Jusqu'à ma première copine, elle a été enceinte, elle s'appelle Betty. Comment j'avais une copine imaginaire qui s'appelait Betty aussi pendant un an quand j'avais 4 ans, je m'en souviens. En tout cas, elle s'appelait Betty, elle était enceinte. C'était la première du groupe qui était enceinte de mon âge à Paris. On était des artistes, c'était bohème et tout ça. Et j'ai dit, ben alors, comment c'était l'accouchement? Et elle m'a dit, ah oui, c'était tranquille. J'ai marché, après je me suis mis à faire du yoga, et après j'ai attiré un dauphin dans une piscine. Quoi? Comment ça? Je ne savais même pas. Ni mon clitoris et ni l'accouchement. Heureusement, quelqu'un m'a dit ça. Et heureusement, j'ai eu des bons livres pour savoir qu'est-ce qu'il faut manger pour nourrir son bébé dans le ventre. Vous savez quelque chose, que le rôle de maman en France est tellement mal estimé. Mal estimé. C'est le pire que j'ai vu dans tous les pays. Vraiment. C'est comme si, voilà... Comme c'est normal d'avoir les bébés, tu fais rien. C'est normal. Les gens, ils ont des bébés. Ils ont toujours des bébés. Les enfants, ils l'ont élevé. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, quoi? Va vous faire foutre. Je vous emmerde. Voilà. Et je t'emmerde, messieurs. Je t'emmerde. Ouais. Mais c'est de la manipulation aussi, hein. C'est pour que toi, tu restes là où tu es, tu n'avances pas, parce que c'est normal, quoi. On a eu le
courage, de l'audacité, l'audacité, même les autres femmes, tellement que c'était normal, que c'était normal que moi, on faisait le même métier, le père d'un enfant, faire de ça, biologique. Je voulais dire à les gens, au secours, je suis toute seule, je n'arrive à rien faire, je n'ai même pas de plaisir parce que je suis complètement stressée, je suis toute seule, je ne peux rien faire, je ne peux même pas manger, je n'arrive pas à prendre la douche, je suis à fond tout le temps. Et c'est vrai, c'est 24 heures sur 24. Mais ce n'est pas, on n'est pas fait pour ça quand même. On est fait pour vivre ensemble dans un village avec des gens qui sont bienveillants. C'est ça la bienveillance. C'est qu'on est un homme qui est enceinte et qui a un bébé, les gens viennent te donner à manger parce que tu n'as pas le temps de manger. Et l'autre est en train de dire, mais moi je fais ma carrière. Mais je t'emmerde, monsieur. Moi j'avais ma carrière. Et j'avais envie de prendre un an de sabbatique parce que j'étais fatiguée de jouer tellement que j'avais tourné avant. Voilà, j'avais envie d'être avec toi, monsieur. Et dans l'amour, venir dans l'amour familial. Et tout d'un coup, moi, je n'étais pas dans le tableau, quoi. Même si je venais, je ne faisais rien. Il n'a pas fait comme moi. Moi, j'ai pris mon enfant, je raconte mon histoire parce que c'est une histoire de femme. J'ai écrit mon livre et parce que ce n'est pas n'importe quelle histoire. Je suis une Américaine qui habite en France, dans le sud de la France, sans ma famille. Mon enfant est grand. Je suis en cas de divorce. J'attends le résultat. J'ai essayé de rester calme et j'en fais de l'humour. Et je n'en veux à personne parce que moi, je dis... je ne vais même pas donner du plaisir à la personne, à le faire savoir qui m'a fait du mal. Parce que moi, je sais, monsieur, que si j'aurais été moi ou quelqu'un d'autre, tout aurait fait la même chose. Donc, c'est rien à voir avec moi. Je le prends, comme on dit, prendre rien de personnel. Je ne le prends pas personnellement. Mais ce que tu as fait est très mauvais. Très mauvais. Oui. Très mauvais. C'est diabolique. Vous êtes tué comme Macron. Exactement pareil. Exactement. Voilà. Je ne dis pas qui c'est, hein. Parce qu'après, je ne fais pas ça, moi. Voilà. Mais je suis contente. Je suis contente. Je suis émue d'avoir votre présence. Est-ce que... c'est génial. C'est génial. Bon... Je crois que, je sais pas, Jean-Bernard Bisnard, qu'est-ce que tu fais de beau? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux me donner un petit signe de vie? Alors, je vais essayer encore d'inviter. Okay. If they accept the invitation, they can join on video or with audio. Oh, only your audience is set to public. So anyone can watch this live broadcast. Well, go ahead and watch it. I don't care. Send the invitation. Non, ça veut pas. Ça m'est... Bon, vous savez, je préfère être transparent et dire la vérité. Qu'est-ce que... Vous savez quoi? Si on voulait m'emmerder, qu'on me le fait, hein... Je veux dire, les gens ils sont paranoïaques avec leurs ordinateurs et Internet comme ça, on va nous espionner. Mais vous ne croyez pas que les espions, ils n'ont pas bien espionné avant? Ça venait des années ouvert, là, l'aspirateur là, qui a espionné Kennedy et Martin Luther King. Vous ne pensez pas qu'ils étaient complètement espionnés, mais encore pire que nous, parce que nous, on sait que l'espionnage existe. Mais les Américains à l'époque et tous les autres là, ils étaient complètement sidérés, hein, par ce truc de ouvert là. Il est responsable du mort de Kennedy, de Martin Luther King, de Janis Joplin, de Jimi Hendrix, de Jim Morrison et de John Lennon.
Voilà, ils ont été tués avec Coluche. Toutes les gens qui ont dit quelque chose, qui avaient quelque chose, un message à dire. Et moi, je vais prendre mon responsabilité de donner mon message. Et mon message, c'est que c'est possible. Je suis une clown, mais à la fois, je suis une voyageur, je suis une combattante. Je ne veux pas me laisser aller, que je ne veux pas mourir, je ne veux pas qu'on meure, je ne veux pas qu'on perde le monde, qu'on perde la paix, qu'on finit comme les épis. Ils étaient flingués. Déjà, ils ont détruit tout ce qui a été construit par ce mouvement de liberté d'expression et de l'intelligence et d'élever de conscience. J'étais allée aux États-Unis à chaque année que j'ai parti depuis. Comme par hasard, en 1984, j'ai fini le lycée. Hein. Aïe, aïe, aïe. Quand j'arrive à 25 ans, je disais, waouh, j'ai déjà vécu 3 vies, quoi. C'est beau quand même. Well, je cherche des gens bien, avec des compétences, quelque chose de compétences, qui voudraient bien suivre un programme de structure déstructurée, le programme déprogrammé. Tu es arrivé à. Tu es arrivé à quel âge en France? Ah, une question! Oh, ça, dans les questions, là, ça fait du bien. Oh, parce que là, wouhou! C'est chaud ce soir, c'est Shabbat, je devrais être en train de me reposer. Mais moi maintenant, je sais qu'est-ce que je veux faire. Je sais qu'est-ce que je veux faire comme mission. C'est exactement pareil. On a des missions dans la vie, il y en a certaines qui sont des missionnaires. Et je me sens que ma mission est quelque chose que j'ai été guidée par faire une mission, de faire un message quelque part. J'ai suivi le message qui a été donné. Et ça, c'était moi dans la rue à Jérusalem, sans boulot, parce que je ne supportais pas avoir un chef. Je ne comprenais pas pourquoi on me commande. Traite comme ça, voilà, le monsieur directeur de salon de coiffeur, j'ai coiffé aussi, j'ai coiffé les gens, quand on est close, quoi, on touche à tout, j'étais pas close encore, mais je touchais un peu à tout, que je cherchais comment je vais gagner ma vie, je disais, bon, j'étais artiste visuel, allez, oh là, quelle histoire, ah bon, je vais pas tout dire, parce que après, bon, je suis arrivée en France, première fois à 20 ans, en 86. J'avais vécu en Israël 2 ans, entre 1984 et 86. Et j'ai parti pour apprendre, pour chercher le clown. Parce que alors là, il y a les hommes qui sont féministes, parce que les hommes, c'est grâce aux hommes, ils ont dit, voilà, oui, il faudrait que tu continues, hein, tu es vachement bien dans ce que tu fais, il n'y a pas de femmes, il en faut. Donc il y a les hommes comme ça aussi. Par contre, si tu arrives à leur niveau, c'est un petit peu le vitre, comment dire, le plafond vitré, on dit. C'est pas encore complètement. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans le clown maintenant, et c'est bien. Je suis contente pour ça. J'étais dans un festival de clown avec des femmes. Il n'y avait jamais une seule personne qui a tenu toute l'attention de tout le monde à la table, à parler pendant une heure, raconter ses histoires et tout le monde rigole. Non, chacun raconte sa partie d'histoire. C'est comme ça que les femmes fonctionnent dans un matriarcal. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est plus comme ça. C'est pas Elisabeth Bond. C'est pas les gens qui sont anti-hommes.
qu'au contraire, vous savez, le féminisme a aussi été pour sauver les hommes, hein, parce que les hommes, ça ne va pas non plus. Hein. C'est à cause de la répression des femmes que les hommes sont réprimés aussi. Il faut le savoir. Mais maintenant, aujourd'hui, quel homme veut aller à la guerre? Avant, les hommes pensaient que c'était bien d'aller à la guerre parce qu'ils n'avaient aucune relation avec leur femme, quoi. Elle était un objet, une bonne, un labonne, une. Voilà, quoi. L'amitié, je pense que c'est illimité, et la sexualité aussi. Mais quand les gens, ils se sont découverts vraiment l'amour et qu'ils ont vu aussi qu'est-ce qui s'est passé, vraiment dans les guerres, qui ont commencé à savoir les choses parce qu'il y avait des images, bah, il y a beaucoup moins de monde qui dit « Ah oui, j'ai envie de faire la guerre. » Et regarde aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Ils disent qu'ils vont faire la guerre sur l'Ukraine, avec, sur la Russie. Mais ils sont complètement débiles, ces gens. Ils sont complètement... Ils sont en train de faire croire aux autres que les autres n'étaient pas les nazis. Alors là, toutes les gens qui habitent dans le nord des États-Unis sont principalement, il y a beaucoup de juifs, d'accord, qui ont immigré parce qu'il y avait New York où ils avaient reçu les juifs. Et en début de 1800, là où il y a mes cousins qui ont arrivé de la Russie, de l'Hongrois, donc l'Hongrie, le moins de l'Autriche, mais plutôt de l'Autriche, le Hollande. Et la Russie, quoi. Je suis. Et mon grand-père venait de près de l'Ukraine, et c'était russe. Et oui. Et là, la manipulation, je ne le crois pas. Vous savez, il faut avoir pitié sur les gens américains, parce que eux, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour du vrai. S'ils n'ont pas quelqu'un qui a un pistolet illuminé, qui va jusqu'au bout pour chercher, parce qu'il ne veut pas faire du mal. Mais si tu te trouves avec les gens, c'est ça l'histoire entre le bien et le mal. Tu vois les gens qui sont les démocrates, d'accord? Dans l'esprit, c'est démocratique, en vue de la démocratie, quand on dit démocratique, le républicain, sont plutôt nationalistes. Ils sont plutôt grand business, ils ne sont pas pour l'individuel, ils sont conservateurs. Alors, il y a des choses qui sont bien dans le conservatisme. Il y a des choses à conserver. En dessous avec les mots, c'est tellement pervers, c'est incroyable. Alors là, je ne savais pas du tout les histoires de qu'est-ce que cette histoire de Clinton, mais je ne sais pas si c'est vrai, c'est l'histoire d'Obama. Alors, Odile from Avignon. Bonsoir. Bienvenue. Notre nouveau habitante à Village des Clowns qui va venir. Qui va venir à Village des Clowns de Lawrence pour le spectacle vivant tous les jours. Tout le moment. Tout moment est possible pour l'improvisation, pour la poésie, pour le théâtre, pour rire, pour faire la musique. Et tout en faisant aussi la construction de cette lieu pour que ce soit beau, ce coup, avec des couleurs, que les artistes viennent qui font le délire et qu'il y a des gens avec le savoir-faire pour la maçonnerie, pour construire, pour réparer les choses. Qui sait, moi je veux mettre mes tableaux sur le mur. Il faut percer, il faut avoir la bonne mèche et la bonne cheville, les chemises et tout. Et on peut mettre des lampes. Il faut réparer l'électricité. Si quelqu'un connaît l'électricité, parce qu'il est le technicien de lumière, il fait du théâtre, et il aime bien le clown et rire, et ça lui plaît. Voilà, c'est des gens comme ça. Des gens comme ça qui sont là pour le projet de mourir de rire et pas rire de mourir. Oh, c'est rigolo. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si ça va ou pas, si vous m'entendez, si vous me voyez, si vous ne m'aimez pas? Alors voilà, je vais répondre à... Je suis arrivée en France la première fois. J'ai parti d'Israël. J'ai arrivé en Suisse avec mon valise.
et mon sac à dos et j'ai commencé à jouer en Suisse. Alors là, c'était le claquant parce qu'en Israël, tout le monde venait autour. Ouais, ils voulaient regarder, il fallait repousser pour faire la scène. Alors qu'en Suisse, j'ai commencé à jouer à Basel. Bah, ils restaient loin comme ça. Oh! Alors là, je ne savais pas quoi faire. Je me sentais vraiment démunie. Et ils étaient en là, ils ne venaient pas. Je ne savais pas quoi jouer. Alors j'ai fait du mime, direct, du mime, que du mime. Avec de mon visage blanc, j'ai fait le mur, l'automate, le spaghetti bolognaise et tout ça. Et ça, c'était des choses que je savais faire. C'est des choses que je ne sais pas pourquoi. Je faisais du mime, je commençais comme ça. Et j'ai, grâce à les hommes que j'ai rencontrés en Israël, ils m'ont dit, et c'est vraiment le métier, en fait. Tu peux faire ce métier. C'est un métier, le mime. Et il y a une femme qui fait le mime. C'est magnifique. Et ils m'ont poussé pour aller. Ils ont dit, oui, allez-y, colle pour ça. Ils collent le coq. Philippe Gaulier, ils m'ont parlé de ça. Et je dis, oui, mais si je vais en France, j'aimerais bien aller faire l'école de Marcel. Je me mets sur les escaliers de l'école Marcel Marceau. Je voulais rencontrer. C'est ça que je veux apprendre. Et les gens m'ont dit, c'est pas vraiment idéal l'école de Marcel Marceau, parce que lui, il va te montrer comment lui il va faire et il voudrait que toi tu fais comme lui et il t'apprend pas le création. Alors que c'est pas vrai en fait. Lui, son message c'était de vous apprendre de faire les choses comme lui, mais que vous avez les matières pour faire les choses avec après. le mime c'est spirituel en fait. Quelque chose, je crois c'est lié aux arts martiaux. Et j'avais fait de l'aïkido quand j'avais 9 ans, et c'était à 11 ans que j'ai fait mon premier spectacle sur scène. Oui, j'étais l'enfant le plus timide d'école. Je ne savais pas quoi dire aux autres. Ça me disait. Je voulais parler, je voulais être en communication, mais je sais pas, je m'entendais. Enfin, bon, je crois que c'est bizarre quand même. On a envie de se dire qu'est-ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait que c'est toujours intéressant de revenir en arrière, en avant, en arrière. C'est vrai, on peut se répéter. Mais quand on va lire un livre, quand on va faire des études, on ne prend pas le livre et le lire, le réviser. Alors, c'est quoi? Tu crées ta vie, tu fais le livre de ta vie. Et c'est nécessaire de revenir en arrière, de formuler qu'est-ce que c'était que tu as vécu pour le refaire exister, pour aller en avant. C'est ça. C'est pas de le redoter vite. Alors, pour finir. J'étais arrivée vraiment en France pour vivre en France, Paris, à 20 ans, à Beaubourg, étant un mime classique comme moi. Je voulais rencontrer les meilleurs pour être aussi, d'être le meilleur. Voilà. Je ne voulais pas être contente de bien faire ce que je faisais parce que ça marche et ça me fait manger. Je crois que j'ai eu quand tu as un truc que tu aimes, c'est que en fait tu as de la curiosité de aller jusqu'au bout de la comprendre et de le faire. Tu as une vision. Il y a quelque chose que tu as envie de faire de la perfection, d'arriver aux perfections. Alors, la perfection, c'est vachement. Qu'est-ce que c'est? C'est les questions existentielles. Qu'est-ce que c'est la normalité? Qu'est-ce que c'est le génie? Qu'est-ce que c'était le premier mot? Hein?
Je n'ai jamais senti que j'arrivais au bout de mon potentiel. Je ne me suis jamais jeté les fleurs. Aujourd'hui, j'aime parler de ce que j'ai vécu parce qu'il y a des choses que j'ai envie de transmettre par l'homme. Parce que tout en jouant, j'ai toujours enseigné. Même à 11 ans, timide que j'étais, j'aimais tellement le mime, j'avais envie de l'apprendre aux autres. Et j'avais un club de mime avec des autres enfants qui étaient des bizarroïdes, qui n'avaient nulle part à s'asseoir dans la cafétéria et qui étaient hors jeu. Quand j'ai été hors jeu, j'étais toujours mis à des tables avec des débiles là, qui sont là, ils répétaient et tout. Et je me demandais qu'est-ce que je foutais là. Quoi. Après, on est devenu copains et tout, on se mariait à péter. C'était au CM2, je crois, CM1. Après, bon, il y avait vraiment des trucs traumatisants. Par exemple, j'étais en train de vraiment apprendre à lire, jamais lire. Je n'arrêtais pas de lire toutes les choses que je pouvais lire de partout sur les affiches. Et le prof, qu'est-ce qu'il a fait? Elle est venue me taper derrière la tête parce que j'ai bougé mes lèvres, parce que j'aimais bien bouger mes lèvres quand je lisais, ça me faisait sentir les mots. Connasse! Quelle bêtise! Après, maintenant, je suis dyslexique. Enfin, il y a des trucs qui sont... Je crois que ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que quand j'ai eu mon bébé, j'ai senti une connexion, un amour, un engagement. C'est l'ultime chose, c'est ton enfant. C'est incroyable de mettre ton enfant en avant de toi comme ça, de dire d'abord l'enfant. L'homme, non, c'est ça, lui c'est sa carrière, et gentil, c'est normal, il fait sa carrière. Non, c'est pas normal, il fait sa carrière. Avant, c'était notre carrière, c'était nous qui faisons. Oui. Et messieurs, s'il m'avait... Enfin, bon, non, c'est pas la peine. Mais c'est l'histoire de la femme aussi. Je dois prendre des exemples que je connais. Et donc, voilà, je reviens dans le fait que j'y étais venue en France. Je voulais faire l'école Lecoq en 1987. Et j'étais joué dans la rue et j'ai rentré à la maison avec des chapeaux, avec mon chapeau. J'ai payé mes voyages, tous mes voyages, manger et tout. C'était incroyable, la liberté. Des chaussures, des hôtels. Quel cadeau de la vie. Mais heureusement que j'ai vécu dans le kibbutz. Si j'avais resté aux États-Unis, faire ce qu'on me disait faire, de suivre avec l'université, sinon tu vas jamais rien faire de ta vie. Et qu'est-ce que tu vas faire si ça marche pas? Tu vas même pas pouvoir enseigner dans une école. On va pas vouloir de toi parce que tu n'as pas le degré de baccalauréat, le minimum. Et il me fait peur comme ça. Mais comme j'avais voyagé déjà, il y a quelque chose à l'intérieur de moi. Je disais chaque année, je vais revenir. Je vais faire mes études et je vais revenir. Je vais faire encore une saison de rue pour gagner ma vie et je veux revenir. Puis je repartis travailler, j'avais toujours un projet. Et ça, c'était quand j'étais allée en Belgique en première faire l'école La Stade. Et La Stade était premiers profs de théâtre du geste à l'école Lecoq. Ils ont démarré un truc ensemble, un mouvement de création de théâtre avec le corps qui parle, qui dérivait de l'école Marceau, qui faisait que en fait tu arrives, tu es complètement perdu, tu sais même pas, ils te disent de jouer en couleur, tu as 22 ans, tu dis oh, qu'est-ce que j'ai pleuré? Oh, God. Ils m'ont dit, La Salle, j'étais allée là-bas de bord parce qu'en France, il y avait Chirac comme premier ministre.
C'est quand même drôle, quand il y avait Chirac, il y avait des gens de droite, il y avait toujours des bombes qui pétaient. C'est fou, hein? Je me dis, c'est peut-être eux qui l'ont fait. Et le Bataclan, croyez pas? Quand même. C'est pas le début de la de tout ça, de terroriser. C'est de la terreur. Ça, c'est le terrorisme. Le vrai terrorisme. Le charcuterie, la ch charcuterie, les gens qui sont les génies. C'est ça le fascisme. C'est le premier signe qu'on est en train d'y aller. Et c'est ça que j'ai vu. J'ai vu qu'on est en train d'y aller vers le fascisme quand j'ai vu ça. Parce qu'en même temps que c'est arrivé dans la même semaine, j'ai parti le jour en Russie. J'avais peur. Je peux dire, j'y croyais que c'était la fin du monde. Mais j'ai dit, j'avais un rôle pour jouer dans une pièce, dans le cirque d'hiver de Saint-Pétersbourg avec Slava Polonine, comme créateur de clown, d'avoir les vrais clowns qui jouent au sein d'un vrai cirque aussi. Et je retrouvais Julien Coutreau, que j'avais rencontré en Canada il y a quelques années. On se rencontre comme ça, c'est incroyable. Cette personne, elle est très, très gentille. J'espère te le revoir, j'espère qu'il va bien. Si vous connaissez Julien, partagez. Partage mon vidéo, s'il vous plaît. Enfin, c'est une live, hein. Bah, je vois les gars là, ils font des lives toute la nuit. Hein. Je ne sais pas comment ils font, mais bon, je ne sais pas, ça fait quand même, je ne sais pas combien de temps je suis là. Je suis là parce que je cherche les dons. J'ai besoin qu'on me fait donner de l'argent. Voilà, donne-moi de l'argent que je puisse acheter du matériel pour les gens qui souhaitent venir les utiliser pour le bien de ce lieu de création, qui est un lieu où on peut avoir un point de départ. Un point de départ. Je propose un point de départ. Où vous êtes les gens là qui sont les résistants là? Allez, viens me voir. Viens me voir. Je suis là, merde. Je tiens la baraque. Je vous attends. Je vous attends pour jouer, pour partager les idées, les connaissances, vivre la beauté. Je ne sais pas comment l'expliquer, comment l'exprimer. Je me suis fait casser pour ça. Par les gens qui. Voilà ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport à ça. Voilà. Les démocrates, voilà, je reviens sur la manipulation qui est très, très dégueulasse et insidieuse. C'est que la démocratie, c'est ce que les gens gentils, ils voudraient avoir. OK? La vraie démocratie. Donc, on dit démocrate, le démocrate, il est démocratique. Normalement, il est démocratique et il veut les biens pour les individuels. Il s'en occupe des choses sociales. Il ne laisse pas les gens dans la merde, etc. Et là, c'est grave. Même, disons, OK, on dit que Hillary Clinton était les violeurs de bébés et que Obama était dans les tuer, était juste pour vendre des armes, et il n'était pas du tout la personne qu'on croyait qu'il était. Enfin, moi, je ne sais pas comment c'est possible. Le gars, il fait rire, quoi. Il est comique. Comment un comique peut avoir. C'est un vrai comique. Un vrai comique. Et voilà, ça m'a sidéré. En tout cas, quand il y avait ces gens-là, c'est un peu comme ça qui se passe. C'est comme ça qu'on tue les gens. En fait, quand il y avait les démocrates, ça se passait bien. Quand il y avait les républicains, tu cherches les gens pour te rejoindre. Pourquoi? Merci pour la question. Oui, parce que les sujets, c'est tout ça, le sujet, c'est tout le monde. Je cherche les gens.
Je cherche les gens qui ont envie de vivre l'expérience clown. Et pas l'expérience clown de réussir à créer quelque chose et, dans ma maison qui fait que ma maison est une maison de clown. Voilà. Qui ont de l'idée, qui ont des capacités. Ou les gens qui savent bricoler, il y a des gens qui sont bricoleurs, ils savent construire des choses, même s'ils sont clowns. Enfin, il y a des gens, des artistes qui sont très bricoleurs. Je me trouve avec le bricolage, je veux faire le tout, je veux garder ma main dessus, je ne vais pas mentir. Il faudrait qu'il y ait une personne qui ne fait pas un chef, mais qu'il y a l'idée de ce groupe-là, c'est de se ressourcer par le rire, par l'autodérision, par de réussir à parler les uns avec les autres, vraiment de leur cœur, de se connaître, de faire une rencontre poétique, de faire des amis, des vrais amis, grâce à mon cheminement que j'ai développé depuis l'âge de 11 ans. Voilà. Je ne veux pas mourir pour transmettre ça. Ça, c'est une chose. Et je veux sauver ma maison. C'est une maison de résistance. C'est une maison de repli pour les artistes, une sauvegarde pour la culture. Pour les enfants, avoir du théâtre dans un village où il n'y a rien qu'en culture, à part les taureaux, et ils ont du jazz et du tailleur de pierre et quelque chose, mais les artistes n'ont pas un lieu de rencontre alors qu'il y a des artistes. Alors si c'est chez moi, ben voilà, ils peuvent venir chez moi parce qu'il y a un cours intérieur, il y a un atelier pour peindre, il y a de faire la musique, tout est là. Par contre, il y a des rénovations à faire, il y a des choses à réparer, j'ai un toit à réparer, je dois pouvoir payer pour ça. Donc, je demande de l'aide aux gens d'envoyer les dons, mais même juste comme si vous me payez à boire un coup. Si tout le monde mettait un peu sur le crowdfunding, donc sur le lien, si vous cliquez sur le lien, vous pouvez mettre quelque chose et je vais acheter le matériel pour que les gens puissent avoir le matériel pour quoi faire. Si je peux le faire. Après, ça va être, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez amener vos matériels? Oui, c'est faisable. Peut-être les artisans, ils ont leur matériel et comme c'est un échange humain, ils vont pouvoir aussi faire un don aussi de le matériel. Et moi, je vais faire un don de ma maison. Ça a une valeur aussi. C'est quelque chose qu'il faut savoir parce que y a les gens qui ne comprennent pas que... Enfin, tu ne te rends pas compte de ce que tu es en train de donner, en fait. Tu es en train d'accueillir les gens dans ta maison. Et eux, si tu fais, par exemple, j'ai des expériences où tu fais, moi, je suis dans la merde, je cherche où vivre, je n'ai pas où vivre, je cherche une chambre, ça, c'est mon bon ami, tu peux lui faire confiance. Oui, si je viens, je vais vous refaire la chambre dans laquelle je vis, etc. J'ai fait ça, et je fais ça, et je fais ça. Et on va faire le projet. Et puis, allez, bon. Et tu te trouves avec des gens qui fument des clopes, qui n'ont pas d'argent, qui n'achètent jamais rien à manger, donc il n'y a pas de partage. Disons, on va aller faire les courses, on va faire à manger. Non, ils fument des clopes, ils achètent du shit, ils ont toujours de l'argent. Pour ça, mais il te vide le frigo, même t'as plus d'huile d'olive. Alors là, ça va quoi. Non, mais c'est vrai. Non, moi je trouve que c'est bien les gens qui veulent faire partie de ce projet s'investir aussi dans ça. Parce que je veux vous dire que c'est peut-être nécessaire un jour d'avoir un lieu comme ça. Et il y a des champs aussi. Il y a les jardins potagers. Et tout ça, si on arrive à relier la maison avec un ensemble de choses, et tout le monde va, c'est comme un kibbutz, un peu, tout le monde ensemble,
partage de connaissances. Par exemple, quand j'étais allée, trouver des gens fiables. Mais moi, j'ai la sensation que maintenant, je pense que l'expérience, il faut de l'expérience, des fois on passe par là. Ce qui se passe, c'est qu'une fois que tu as quelqu'un qui te massacre, après il y a quelqu'un, il faut comprendre le mécanisme. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. On te massacre, après on vient te sauver. Et on te dit voilà la solution finale. On est exactement dans le même. C'est tout le même. On dit le matrix, j'ai compris. On est dans le même matrix. Les gens, comme ça, les vrais diables, c'est les gens qui sont là avec leur pensée calculée, ils te calculent, ils font des calculs, ils comptent tout ce qu'ils donnent, ils prennent ce que tu donnes, ton amour, ils te le prennent, après, ils vont te dire que tu n'as jamais rien fait pour eux, alors que tu as tout fait pour eux, alors qu'ils n'étaient jamais contents, mais ils ont fait exprès. Parce que comme ça, tu fais plus. Et eux, ils font. Voilà, t'as envie de plaire. Quand t'es quelqu'un de bien, quand tu t'es juste pas avec des c'est pas tordu, quoi. T'es normal, normal dans le sens... il y a normal et pas normal. Et là, la définition de normal, c'est très, très compliqué. Parce que quelle normalité? Mais moi, j'ai compris un truc, et je vais vous dire qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Qu'est-ce qui est normal? Je ne sais pas, mais il y a des choses qui ne sont pas normales. Ce n'est pas normal que quelqu'un te demande des questions, si tu poses des questions, alors que tu es quelqu'un qui ne fait que te poser des questions. Par exemple, cette personne-là, il n'a rien compris. Il n'a rien compris de toi. Au revoir. Au revoir. C'est le plus grand insulte que tu peux dire à quelqu'un, de le demander s'il ne s'est jamais posé des questions. Ça veut dire qu'il pense que tu es une vraie merde, quoi. Or, il est en train de te faire croire que tu es une merde. Parce que toi, tu as envie d'être bon, tu as envie de faire du bien, tu es là pour être un soleil. Et il rit aussi, tu dis, oh oui, ils sont contents, oui, on va y arriver, oui. Et la neige, mais non, en fait, dans un vrai groupe de bienveillants, un vrai groupe avec des personnes entier avec du cœur, qui ont vraiment envie de faire quelque chose, ça ne sera jamais ça la discussion. On va essayer de d'être... En fait, j'ai eu des groupes magnifiques ici, magnifiques, mais ça a été de la folie, mais vraiment de la folie joyeuse. La folie dingue, de l'expression de liberté. On était plus jeunes. Hello, Nathaniel, bienvenue à mon live. Ah, je ne peux pas croire. Ah, je rencontre plein de monde comme ça. C'est sympa, hein? C'est vraiment sympa. Moi, j'aime bien rencontrer les gens. C'est le monde en... Moi, je dis pas moi, je peux te parler de moi. En France, on dit toi, tu t'es, et boire le thé, le café et tout ça, et on dit rien. Moi, je dis moi, je peux parler de nous, en fait. Et j'ai quoi? Ben, je peux que vous dire moi, je, parce que je ne sais pas si vous êtes dans cette optique-là. Je sais pas, je crois que c'est le monde invisible. Il y a un monde invisible et rien que d'avoir votre allô, votre like, ou de voir que vous êtes là, ou de savoir que quelqu'un va le voir, les vidéos, et imaginez que peut-être quelqu'un va tomber sur cette vidéo. Je pense que personne va regarder tout le live, hein, je ne sais pas. Je ne sais pas si jamais je vais pouvoir refaire ce que je suis en train de faire. C'est spontané.
Et voilà, le travail, il y a un travail ici sur chacun sa personne au niveau. C'est pas une remise en question et ce n'est pas se poser des questions. C'est juste un questionnement. Hein? Curiosité, l'esprit curieux. Je veux apprendre et tu es encouragé d'apprendre. Tu es encouragé de te laisser faire les erreurs. Laisse-toi faire les erreurs. Sur scène, là, je peux parler des stages. Hein. L'idée, c'est quand même, voilà, je ne vais pas faire une école de clown, je ne veux pas vraiment donner des stages. Il faudrait que, voilà, je veux installer ce lieu, je voudrais décorer les chambres. Il y a du nettoyage à faire, le jardin. Il y a aller voir les jardins potagers de monsieur le fermier qui habite ici avec sa maman. Qui a 80 ans, qui est dans une chaise roulante, qui vit là. C'est vraiment très folklorique. Hein. Enfin, imagine une fille juive américaine du nord des États-Unis, démocratique, père psychiatre, qui se retrouve dans le sud de la France, là, au milieu de nulle part. Enfin, c'est entre Montpellier et Nîmes par information, mais bon, quand tu es là et tu n'as pas de voiture, je peux te dire, tu ne te sens nulle part. Il faut une voiture, il faudrait que quelqu'un arrive avec une bonne voiture, qu'on puisse aller faire des bonnes courses, qu'on puisse aller à la mer. Voilà, c'est sur 10 jours, c'est entre le 18 février et le 27. Et j'ai dit ça, je suis transparente, donc c'est quand même un peu risqué, hein, parce que je peux, je ne sais pas. Mais attention, hein, si vous venez ici pour vos intérêts personnels et vous faites quoi que ce soit pour saboter mon programme, moi je vais le comprendre tout de suite. Et il n'y a pas de deuxième, chance. Hein. Donc ne viens pas ici, surtout pas. Je vous aime pas et je ne crois pas que vous allez avancer. J'ai essayé avec des gens qui étaient vraiment des enfants traumatisés, qui avaient des crises, qui avaient des comportements complètement fous. Moi, j'ai grandi dans une famille des artistes et des psychiatres. J'ai une tolérance énorme pour les gens fous, mais ces gens, ils ne sont pas fous. Les gens fous ne sont pas comme ça. Ces gens sont, ils sont calculateurs. Ils sont, et on peut, ils ont pas de, ils ont pas envie de comprendre. Ils ont pas, ils cherchent pas à comprendre pour le vrai. Alors que quelqu'un qui est vraiment psychiatriquement malade, c'est ça, il me prend jusqu'aux 57 ans à comprendre ça. Il a vraiment une maladie. Il a une maladie. Et il est schizophrène, ou paranoïaque, ou de la paranoïa. La paranoïa. Il est paranoïa. C'est une maladie. La dépression, c'est une maladie. Les gens qui ne comprennent pas ça. Voilà. Alors, moi, je peux accepter un grand niveau de folie, quand même. Et le prendre et d'avoir de la compassion. Et donc, je me suis fait de ces navires ici, de personnes qui sont venues passer du temps sur les longues périodes à vivre ici, pendant la période où, entre 2016, à partir de 2016, ça commençait à je ne pas réaliser que j'étais en train d'être sabotée. Pour du vrai, là, c'était une espèce de crime organisé, il faut le dire. Voilà, je vais faire un film sur le mafia et de Nikita. Je me sens comme un de ces personnages-là dans les films japonais, là, où c'est la petite fille, c'est bizarre quand même. C'est une espèce au féminin, pour une fois, qui est l'héroïne. Il y a une héroïne. Je n'aime pas dire héroïne. Parce... Nous, on n'a pas d'héroïne. Et alors, le truc, c'est que les Japonais, ils ont eu des héroïnes féminines, enfin, les féminines en avant, d'accord? Et elle était
seul à faire face à toutes ces histoires qui duraient 2 heures, mais c'était long, c'est, avec ces bandes dessinées très bizarres. Mais ces gens, c'est du Japon, ils sont bizarres. Hein. J'étais là-bas et je peux vous dire que j'adore le Japon, mais... Wow. Wow. J'étais là-bas, j'étais dans le nord, avec des mecs macho qui faisaient du jonglage. Feu. Tu vois, j'étais là entre mecs et entre les mecs aussi. J'étais clown. Qu'est-ce qui fait chier? Mais ils étaient chiants. Mais je les aime bien. Hein, je les aime bien quand même aussi. C'est pas de leur faute. Oui, voilà. C'est qu'il faut pas blâmer. Voilà. C'est qu'il faut pas blâmer les gens parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Comme Jésus a dit. Ne pas en vouloir aux gens parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Donc, s'ils font du mal, s'ils sont des fous, s'ils sont je ne sais pas quoi, le mal qu'ils font, c'est en toute innocence, quelque part. C'est ceux-là qui savent le mal qu'ils font, qui savent ce qu'ils font. Et c'est ça qui est pervers. Et quand tu t'expliquais pour la 15e fois la même chose et la personne dit, tu la culpabilises, qui ne répond pas à tes textos, il se fâche parce que tu as dit quelque chose qui ne la plaît pas et ne veut pas accepter et que tu n'arrives pas à changer ça. Et tu dis, aïe, 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 ça me fait mal, j'aime pas ça, s'il te plaît, arrête, arrête. C'est comme si quelqu'un te tordait le bras et tu dis, arrête, arrête, arrête. Bien qu'ils te chatouillent, tu sais, les gens qui te sautent de dessus et te chatouillent. Et oh là là, j'ai eu horreur de ça. Ça m'a fait pas rire du tout. J'ai failli pleurer. Hein. Je trouve ça drôle de chatouiller un enfant là, comme ça, mais ils sont malades, les gens. Puis les enfants le font les uns les autres de ce que tu. C'est horrible. Moi, je l'ai même fait à ma soeur, mais on fait des choses. Là, voilà, je ne savais même pas qu'est-ce que je faisais là. Et c'est rare qu'il y a des parents qui apprennent d'avoir l'empathie pour les bestioles, par exemple. Je crois que c'est vraiment important que les enfants, ils ont des animaux. J'ai toujours des animaux. Je voudrais un petit chien. Oui, alors est-ce que ça, vous avez compris qu'est-ce que je cherche? Est-ce que vous pouvez partager mon message? Vous pouvez partager les autres choses sur ma page, peut-être pas cette live, vous pouvez, hein, je ne sais pas, peut-être c'est intéressant. Je sais que ça fait presque 2-3 heures que je suis là et je m'étonne, hein, je m'étonne de parler comme ça. J'ai commencé dans le mois de mai à essayer de parler comme ça. Et il fallait trouver un truc, il faut trouver un truc. Il dit, tu es là? Je ne sais pas par où te raccrocher. Je suis là, je suis à la maison. Voilà. Je joue mon rôle de femme à la maison. Voilà. Mais c'est moi qui ai décidé de rester là. J'ai déjà vu le monde. Et j'aimerais bien voir du monde ici, comme avant. Voilà, les stages, quand on fait les chambres bien, on peut avoir 15 personnes qui dorment là, qui mangent là, qui prennent les cours que je donne de 4 à 6 heures par jour. Là, je suis plus fatiguée et je ne sais pas, je dois démarrer aussi avec vous. Je crois que tout le monde a besoin de se remettre en forme. Je crois que j'entends qu'il y a des gens qui se sont fatigués. Ils ne comprennent pas pourquoi. Je crois qu'il y a quelque chose de cette maladie qui a touché tout le monde, quelque chose. Parce que s'ils sont capables de faire un vaccin comme ça, c'est qu'ils sont capables. Voilà, apparemment, ils mettent des trucs partout. Donc oui, on va être fatigués. Et je ne suis pas, je ne me désespère, j'ai pas un désespoir. Si on le sait que de tout est empoisonné, ok, vas-y, je vais me vacciner. Je mange votre merde et ça va pas me faire du mal parce que je vais me renforcer avec votre merde quand je me suis renforcée avec des gens
qui ont voulu profiter. Voilà, manger la merde, ok, mange la merde, mais on le sait, donc on va compenser avec autre chose, avec les potagers, avec les bons légumes, avec les choses qu'on sait d'où ça vient. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé à la le berger qui habite ici? On a pris tous ces animaux. On allait vivre grâce à ça. Ils ont pris tous les animaux. Ils ont faussement accusé de maltraitance des animaux. Alors que c'est un homme qui fait ça depuis qu'il est né pratiquement. Il s'en occupe des bêtes. Il a compris la vie à travers la nature et les bêtes. Et on a incarcéré et on a mis en garde vue alors qu'il n'a rien fait à personne. C'est un homme vraiment noble et intègre. Je l'ai appelé mon héros. Il m'a tellement aidé. Et c'est mon bon ami. Je connais comment il est avec les animaux. Et on l'a faussement accusé de maltraitance d'animaux. Et à la place de, en fait, son ferme, elle était pauvre parce qu'il n'a pas beaucoup d'argent. Il dépensait tout son argent pour la nourriture. Il était tout seul, il s'en occupe de sa mère. Et voilà, on a besoin d'aide. On a besoin d'aide là. Ça sera bien parce que ça sera bien pour nous et ça sera bien pour vous. Et toi, et toi, et toi, et toi, et toi. Tous les individus, chacun différent. Quand je donne les stages, je ne prends pas... Chacun est différent. Je donne un exercice et j'ai un exercice à donner dans l'exercice pour qu'on réussisse l'exercice. J'ai envie que les gens réussissent. Je ne suis pas là à démonter les gens qui veulent faire du clown. C'est horrible. Enfin, il y en avait un, Philippe Gollier. Il a su te démonter jusqu'au zéro. Par contre, cette histoire, il a fait ça professionnellement. Il n'a pas fait ça pour profiter de son position de pouvoir d'enseignant sur les stagiaires qui viennent avec leur cœur pour prendre le clown. C'est là qu'ils viennent prendre le clown. Ils ont vraiment envie. Vraiment envie. Je peux vous dire. J'ai dit, je vais aller sur celui-là qu'on me dit que c'est le plus dur pour voir si j'ai réussi. Parce que, et là, Philippe Gollier, il a fait la synthèse de ce qu'il a fait, le travail de Jacques Lecoq, qui a commencé par une expérimentation dans une liberté pour réussir à voir dans les outils, trouver les outils pour exprimer les choses par la création personnelle. Et c'est pour ça que les gens qui ont sorti de Lecoq, il y a beaucoup qui ont fait des compagnies de théâtre, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé parce que chaque semaine, voilà. Oui, vous pouvez partager cette live, vous pouvez partager les vidéos de ma page avec vos amis. Vous pouvez prendre le lien pour mon quête de cagnotte d'argent. Enfin, en fait, j'ai vraiment besoin de 30 000 euros pour vraiment faire ça, genre, comme il faut. Par contre, si c'est des clowns et on a fait un esprit clown, on peut faire des choses avec pas grand-chose parce qu'on est créatif. Et c'est ça, la démarche vers la créativité, le clown. Le clown ouvre la porte à toute la créativité, car c'est la découverte de soi dans son forme, expression théâtrale, la plus grande présence, l'omniprésence de vous-même propagée dans l'espace. Et là, ça donne du courage. Et je vous encourage de venir ici, travailler ici avec moi, de vivre dans la transmission, de transmettre quelque chose de vos connaissances, de porter quelque chose, d'amener vous-même, être autonome avec votre chose et le porter dans le groupe, nous apprendre ce que vous savez faire, nous parler, parler de vous. Mon facture Freebox est arrivé. Merci. Vous m'envoyez la facture à 23h vendredi soir, espèce de connard. C'est comme ça qu'il parle français. C'est des amis.
Ça me fait rire. It's not my way of speaking at all. It's funny. I couldn't speak in French at all to be funny at the beginning. I couldn't do anything with it. So I was glad. Le mime, ça m'allait bien, enfin, de faire un clown silencieux qui parle pas trop, qui dit que trois mots au début. C'était bien parce que d'avoir la limitation de ne pas pouvoir parler la langue française, parce que ça m'a obligé de faire quand même du mime. Donc, ma mime, fallait que j'apprenne de faire du mime sans vouloir montrer que je fais quelque chose. Ça, c'était dur. Oh là, on m'a cassé. Ouais, non, mais il ne faut pas montrer. Parce que là, on me dit il faut faire le forain. En forêt. Bon, j'ai fait le forêt. J'avais 20 ans, j'étais en Belgique, je ne savais pas parler français du tout. Et heureusement, j'étais en Belgique avant d'être en France parce que j'aurais jamais. J'ai le coq, il n'y avait pas le temps pour la traduction. Alors qu'on m'a traduit, on me chuchotait un peu, c'était un plus petit groupe. Bon, quand il a dit le premier jour, vous allez faire. Vous promener dans une forêt. Ben, j'ai fait le forêt, j'ai arrivé au bout de la salle, il y avait le mur, le vrai mur. Je dis, mais j'ai déjà fait le forêt, je sais pas, moi. Ouh là là, j'ai étudié le cours, c'est le travail de masque neutre, ça. Tu mets le masque neutre. Alors là, comprendre le masque neutre, c'est comprendre une religion, quoi. C'est aussi profond que le clown, et c'est lié. En fait, on travaille le masque neutre aussi. J'ai besoin de l'argent pour acheter les masques neutres. J'ai besoin de l'argent pour acheter de matériel pour la scène, pour les cours. J'ai été complètement volée de tout mon argent à cause de quelqu'un qui est le père de mon enfant. Il m'a complètement escroqué. C'est vraiment de l'injustice. J'ai travaillé toute ma vie pour avoir de quoi vivre à 50 ans et faire de ma peinture et pouvoir choisir quel spectacle j'allais faire pas et être tranquille. J'arrive, il n'y a plus rien et on veut vendre la maison. Et si on le vend, bah voilà, écoute, c'est... Wow! Merci. Je le remercie pour tout ce que j'ai appris. Franchement, merci. Merci et pour toutes les bonnes choses aussi. Enfin, merci. Il faut dire merci à la vie de ce qu'on apprend. Et il y a tout le monde. Il y a toujours. On ne peut pas dire qu'il y a toujours une raison. Il n'y a pas une raison que quelqu'un sorte de buisson, tu sautes dessus et te tuer. Voilà. Ou tu étrangler et te faire une violence comme ça, tu ne peux pas dire oui, il y a une raison. Mais par contre, les rencontres, il y a certaines rencontres qui ont une raison. Alors peut-être qu'il y a une raison spirituelle qui a fait que j'ai vécu le clown. Et dur que c'était pour réussir, c'était quand même une vie de clown avec des autres clowns et des autres artistes. Et ça développait, je fais la tournée, je fais les stages. Et j'étais dans cet univers-là. Et peut-être il fallait qu'il y ait des choses qui arrivent où je me retrouve à nouveau toute seule, comme quand j'ai commencé avec mon valise et mon sac à dos, à comprendre la rue. De surmonter ce challenge-là, de trouver la rue chez moi. Et de comprendre qu'il y a des infiltrés et comment ça fonctionne. Alors, je vois qu'il y a un zéro, quelque chose. Ça veut dire, oh, il y a un chat. Ben, j'ai un chat et elle est magnifique. Je crois que c'est un chat spirituel. Elle est venue me chercher, en fait. Et... elle me montre de l'amour, c'est incroyable. Et je n'ai pas honte d'admettre que je suis seule et que quelque part, j'ai toujours été seule. C'est peut-être ce monde invisible qui me fait
qu'on est vraiment à part, qu'on comprend pas, on n'a pas compris tout à fait le monde comme il est, on ne rentre pas dans les cases, dans nulle part. Et voilà, qui est l'Américaine qui habite dans le sud de la France avec quelques-uns des fachos et les autres des barbes, des cassos et. Il n'y a pas des autres juifs, des clowns, des machins. Ben, moi, j'ai amené des clowns. On va amener des clowns ici parce qu'ils aiment ça. Ce n'est pas comme Paris où tout est bouché. Ils sont contents. Ce serait bien qu'il y ait des clowns ici, qu'il y ait du théâtre dans le village, que les enfants puissent bénéficier. Hello, national favori. Hello. Ah, il y a du monde ce soir. C'est magnifique. Magnifique. Attends, je vais voir ça. S'il y a des gens invités, est-ce qu'il y a des invités? Non, écoute, moi je crois que j'ai bien fait la tour de la question s'il y en avait un. Est-ce qu'il y a, la question c'était quand est-ce que je suis arrivée en France? Je suis arrivée en France à 22 ans. J'invite les gens, hein, mais bon, je crois que je vais terminer. J'ai besoin de me faire à manger. Oui, c'est bien. Si vous savez faire bien la cuisine et quelles courses il faut faire, ça, c'est une bonne chose pour le groupe. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez amener à un groupe? Il faut manger. Il y a un assistant qui peut prendre une note, qui observe ce qui se passe et qui peut... épauler le prof, donc moi, parce que il y a des choses physiques à faire pendant que je prépare mon cours et que je me prépare, parce qu'il y a quand même un petit peu de rituel avant de rentrer en scène, quoi. C'est moi, je fais de la méditation avant de faire de la méditation avec les autres, donc j'ai besoin de me préparer, j'ai besoin de m'échauffer personnellement. Mais là, je n'ai pas besoin de tout ça, de cette préparation. Je travaille sur l'instant présent. Bodhisattva de méditation de Zazen. C'est une méditation assise. Il y a mon chat qui m'appelle. Viens, bébé. Qu'est-ce que tu veux? Attends, il faut que je cherche. Qu'est-ce que vous voulez attendre? Attends, je vais mettre un peu de musique. Je mets un peu de musique, hein. Comme ça, ça fait un petit, comme les radios, un petit break musique. Hey, tiens, moi, je vais faire un marathon. Écoute, marathon du tune. Allez, envoie-moi du tune, Yotun. Allez, envoie-moi de la tune. Ah, la tune affiche. Ah, non, tune affiche. Le tournesol de la tune affiche de la tune. Le tune, le tune. De la musique, le tune, le tune. Pourquoi de la thune? C'est quoi cette histoire? J'aime pas le mot pognon, je trouve ça vulgaire, vraiment vulgaire. Et vous? Alors, mon chat, on a dit que quand t'as un chat, tu es un esclave à ton chat. C'est quelqu'un qui a dit ça. Mais je peux vous dire qu'il n'est pas un esclave, mais c'est quand même vrai. Elle arrive à te faire comprendre ce qu'elle veut. Et elle arrive à te faire faire ce qu'elle veut, quand elle veut. Et là, elle insiste. Elle ne va pas arrêter. Juste que j'ai compris ce qu'elle veut. Et alors, moi, je veux comprendre. Donc, je vais aller chercher. Je vais mettre un peu de musique pour faire une pause. Et vous pouvez discuter tranquillement entre vous. Vous faire un chat entre vous. Hein. C'est interactif, cette histoire. C'est un partage. Partagez entre vous. Je ne sais pas, il y a Nathanel. Il y a Charles. Il y a Odile d'Avignon, il y a Charles, il y a Jeff Hetz, hi Jeff Hetz, you're still there. I can't believe I'm doing this. It's incredible. Maria en marcha. Les féministes, on va... Non. Les féministes, on va pas les accoupler avec les pervers narcissistes parce que c'est les pervers narcissistes qui sont en train de faire semblant d'être féministes.
pour avoir une position de pouvoir comme tous les hommes font. Et je ne sais pas pourquoi on veut autant à ces femmes ni aux féministes, les hommes, parce que en fait, les hommes sont vraiment fâchés avec ces féministes et ils mettent tout dans le même lot. Ça, je veux en parler. Pourquoi est-ce qu'on va en vouloir tant à des féministes de faire les mêmes choses que les hommes et ne pas les en vouloir tant? C'est-à-dire pour les hommes, c'est normal d'être un salaud. Ah, quel salaud! Mais quand tu dis quel salope, est-ce que ça a le même sens pour vous? Et quand vous dites fou, est-ce que ça a le même sens que folle? Il y a toujours quelque chose de plus péjoratif quand ça concerne l'espèce féminin. Et donc, on a encore un chemin à faire et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire ici. Je ne suis pas pour le rapport de force du tout. Ça ne m'intéresse pas, ça me fatigue. Je n'ai rien à prouver. J'ai envie de partager mes connaissances avec les autres et je n'ai pas envie de faire des arguments qui tournent en rond, qui me fatiguent. Alors, je vais vous laisser 2 secondes avec la musique, ok? Il n'y a pas si de son. Impossible rêve, hors-t-il chagrin des départs, brûlé d'une possible fièvre, partir, personne ne part, aimer. À la déchirure, aimer, même trop, même mal, tenter, sans force et sans armure, d'atteindre l'inaccessible étoile, telle est ma quête, suivre l'étoile. M'importe mes chances, m'importe le temps, ma désespérance, et puis lutter toujours, sans question ni repos, se tanner pour l'ordre d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille, et les villes s'éclabousseraient de bleu par ce grand malheur. Brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal. Pour atteindre à s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible étoile.